C'est le moment où je me casse. Il y a une prédit. Bah ouais, bah Lolo, te casse pas aussi. C'est la prédiction campinge. T'as capté, t'as capté. Salut Courage, je t'ai dit bonjour, je sais plus. Salut Bichouette. Salut Bichounette. Ah, c'est gentil Léa, t'inquiète, y'a pas de problème. Hein. Vous parlez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez grave parler, bah parlez grave. Si vous voulez pas trop parler, bah parlez pas, y'a pas de soucis. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. La porte était à droite, bah elle est là la porte. Dites-vous là, vous me voyez comme si vous étiez assis en face de moi. Donc là, vos yeux me verraient dans ce sens-là. Il est super sec. Il est périmé de 2 jours. Pourquoi il est si sec? Oh, ça va et toi, Bichouette? Je lance juste le jeu, hein, bougez pas. Je change de titre aussi, c'est bon. Et le jeu est lancé, parfait. On y va. Alors. Sachez déjà que j'ai grave bien avancé. Et, attendez, je vous montre quand même. Je vous mets dans le contexte, si vous n'étiez pas là hier. Aïe, pardon, je vous ai mis un coup de casque. Les lignes, là c'est les noms des habitants que j'ai. Chaque colonne représente un jour. Les croix, c'est quand ils me donnent pas de quête et que j'arrive à la fin de la discussion en mode ils en ont marre de me parler. Excusez-moi, je vous ai tapé. Les ronds, c'est quand ils me donnent une quête. Et les petits tirés, c'est quand j'ai rien eu parce qu'ils étaient soit à deux dans une maison, soit sur le truc de Kéké, là, du coup je pouvais pas leur parler. Et on n'a pas fini le jour, le dernier jour, mais on va essayer d'avancer un petit peu là-dedans. Voilà, on a pris 4 heures à faire 5 jours. C'était un peu long. Là, je vais mettre que je sais pas. Hop, et on repart sur un nouveau jour. Et on va continuer de les harceler pour qu'ils me donnent des quêtes. Voilà. Non, vous ne pouvez pas venir sur mon île. J'en ai expliqué que j'étais en train de farmer le 100%. Merci de ne pas demander de venir sur mon île, s'il vous plaît. Je n'aime pas les questions comme ça, surtout qu'on a bloqué tous les termes comme ça. Mais non, t'arrives pas à la fin, Nat. Coucou, hello, comment ça va? J'arrive à la fin, mais je viens mais de finir les cours, donc bon. T'arrives pas à la fin, on vient de passer sur cette switch-là. Donc t'arrives au milieu du live, quoi. T'inquiète. Je vous remonte, je vous mets dans le contexte. Je fais du 100%, qui est de remplir toutes les cartes de Miles. Et j'ai tout rempli, sauf 2. Il nous reste... la fameuse et l'inévitable chaîne de Miles, mais regardez, on en a fait 1000 depuis 2 semaines. C'est énorme, j'ai farmé de fou pour ça. On a, entre guillemets, presque fini. Je dis ça comme si vraiment il m'en restait 3, tu sais, à faire. On avance très vite et très bien sur celle-ci, et c'est vraiment très machinal. Mais un autre, il y a celle-ci, et dès son prochain, et on est à 2 quêtes des 200. On était à 111 quand on a commencé le 100%, je crois. C'est énorme. Et là, la technique que j'ai de forcer les habitants de donner des quêtes, par exemple, là j'en ai eu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, j'en ai eu 26 là, en un jour et demi. Donc c'est fou en vrai. Donc ça avance. Ah non. 27, 28, 29. J'en ai eu 29, pardon. Et en gros, le but, c'est d'aller voir un habitant. Bon, là, il pense direct. Il veut se barrer. Ta gueule. Tu pars pas. Ça, c'est pas une quête, par contre. Et là, maintenant, je vais te forcer à me donner une quête. Je vais te parler jusqu'à ce que tu n'en peuves plus. En espérant que tu me donnes une quête et que tu me dises « On peut aller chez toi ?» Ou « Je peux aller chez... Tu peux venir chez moi ?» Ou alors « Tu peux aller chercher un poisson ou un insecte ?» Ou un truc comme ça. Voilà, en gros, on va forcer comme ça les habitants. Ouais, après, j'aurais tout fini, Gab. J'aurais fini le jeu Animal Crossing à 100%. Parce que j'ai déjà le 100% des meubles commandables. Je fais pas le 100% des photos ni des posters parce que franchement, on s'en fout de ça. J'estime que c'est pas des objets qui comptent dans le 100% des objets.
Et on a fait... On a fait quoi la dernière fois si on avait fait... Bon, on avait fait les objets, on a fait les crafts. Les crafts, il me restera quelques plans de crafts à choper. Des crafts de cuisine. Attendez, je vais juste remplir ma gourde parce que j'ai plus d'eau. J'arrive, j'ai soif. Ils se font harceler pour les maïs. Vraiment, c'est réel. Hein. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Une habitante de caillou, c'est ton île. Tu es une habitante de caillou? Mais t'es déjà là, regarde. T'es pas là, mais t'es plus loin sur l'île. Toi, t'es déjà là, Zorua. Tu triches, toi. Tricheuse. Bisous, Amandine. Y'a pas de soucis. Ah, il peut plus me parler. Donc ça c'est mort, Robert il ne donnera rien pour aujourd'hui. On lui met une petite croix, tant pis. Ouais elle est belle ma gourde, hein. C'est la gourde de Twitch. C'est écrit Twitch mais là vous voyez à l'envers mais... bon lui il veut pas. Marine, à la place de chanter, tais-toi et donne-nous une quête s'il te plaît. Mais t'es là au moins 6 fois, je te jure c'est vrai. Rebond peine, ça a toujours été toi. Moi je sais qu'il y a un ballon mais je m'en fous du ballon pour l'instant. Là je suis plus au début du jeu donc tout ce qu'il y a dans les ballons en vrai je m'en fous un peu. Je vous cache pas hein. Je vous cache pas. Et merci Nathalie pour le follow et salut Zetsu. J'espère que ça va bien. Vas-y continue. Ah touchez votre nez sérieux, touche nez. Que veux-tu, je veille sur toi. C'est vrai, c'est beau, hein. Attends, je vais te montrer ta famille après, si tu veux. Le bureau des résidents, c'est un super bâtiment. T'inquiète, t'inquiète. Ils ont tout le temps que ça à dire, genre. Le bureau des résidents, il est super, hein. Franchement, il est comme ça, hein. Comment... Mais Léa, parce que je viens de t'expliquer, je suis en train de faire du 100%. Arrêtez de me demander de venir sur mon île, je ne suis pas disponible. J'ai du mal à vous comprendre des fois. On vous explique les choses, vous avez du mal à les comprendre vous aussi. Hein. Bah je la décorerai, Crémilou, après. On refera de la déco. Comment je peux faire pour arranger ça? Le 100% corail. Te donner l'objectif déjà de remplir des cartes de miles que t'aurais pas pensé remplir, par exemple. Si tu t'ennuies vraiment en discussion et tout. Bon, Marie ne veut pas non plus. Si tu sais plus quoi faire en déco, si tu sais plus quoi faire en gameplay, bah franchement fais le 100%. Tu te lances dans les miles à compléter au fur et à mesure quand tu t'ennuies. Tiens Pachi. Ça peut le faire franchement. Merci Linux. Pachi, il est là. Tu racontes quoi? Merde, j'ai perdu la ligne. Pachi, s'il te plaît! En vrai, franchement, le 100% c'est un bon truc pour. Tu sais, quand tu sais plus quoi faire, par exemple, tu décores une île. Moi, c'est ce que je faisais là. Enfin, c'est ce que je fais. Je fais un thème. Une fois que j'ai fini ce thème là, pour profiter un peu du thème, soit. Bon, en vrai, c'est mieux de raser avant. Enfin, pour refaire du 100% parce que c'est beaucoup plus pratique. Tu peux tout organiser comme tu veux. Ou d'avoir une île pas finie qui lag pas. Parce que quand ça lag, c'est galère à 100%. Ça se dit pas, mais voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est faux ou quoi? Mais ouais, du coup, je fais un thème. Je le termine, je le mets à jour, je rase l'île. Et je fais du 100%. Et une fois que j'en ai un peu marre du 100%, bah, je refais un thème. Je mets à jour l'île, je rase l'île. Et je refais du 100%, etc. Bah écoute, Smarties, pour l'instant, ça dépend. Pour l'instant, j'en ai au moins un. Mais t'as des jours où j'en ai genre un sur les 10. Il y a des jours où j'en ai 2, des jours où j'en ai 3, 4. J'en ai pas eu plus de 4 pour l'instant. Là, je pense que Pachi va nous envoyer chier. Non, je les aime bien, mes habitants. Hugo, je le laisse seul, ok.
Ça, c'est mes habitants que j'adore. J'ai que des habitants un peu kit-core. Marine, Rena, Cube, Caro, Pachi, Clara, Philippère, Joseph, Robert et Zinzin. Je les adore. Donc je compte les garder pour l'instant. Viens ici, c'est à ton tour, Philibert. T'es l'avant-dernier de ma liste. Il est trop cute, Pachi, je l'adore vraiment. Je dirais, c'est que c'est Maître Pêcheur à niveau 100. Ah, Maître Pêcheur, il est pas évident. Mais en vrai, c'était des... Moi, je l'avais fait avec des appâts et les yeux fermés. Et j'avais fait tout en une fois, je crois. Ou non, peut-être en deux fois. Je m'étais fail, genre 50, un truc comme ça. C'est un peu chiant, mais quand t'as plein d'appâts, en vrai, tu les enchaînes, ça va vite. Tu fais juste au son. Ça te prend pas si longtemps que ça. J'ai paniqué. Ah ouais, non, c'est terrible. Hein. En fait, faut juste que tu pêches jusqu'à ce que t'entendes le bip. Enfin, le truc, tu sais. Ah voilà, Joseph, il nous donne une quête. Il veut me faire... Ah non, c'est l'avant, mon dernier Joseph, my bad. Je vais mettre un truc pour Philibert, mais non, c'est Joseph. Joseph, il nous donne une quête, on va chez lui. Il m'a dit de dormir chez lui, en plus, je crois, non? Maison que j'ai refaite aussi, en mode petit resto, ça slay. La pêche est plus facile sur ACPC. Bah, en même temps... Allez, plus ou moins, vas-y, veste d'orchestre, je suis ravie. En tout cas, c'est un très bel objet que tu me donnes, là. C'est terrible. Plus petit. Ok, super. J'ai gagné une super veste de chef d'orchestre que je donnerai au prochain habitant. Je me suis demandé s'il fallait pas que j'offre des trucs aux habitants aussi. C'est quoi dans le cadeau là? Je vais donner un tablier cousu par maman à Joseph. Ah, je peux pas juste lui parler? Bah, va te faire voir alors. Je te donnerai pas un cadeau. Bisous. Il va m'en redonner un, je crois. Oui, il m'en donne une deuxième. De une baseball. Donc là, je vais pouvoir, en plus de ça, donner des cadeaux aux habitants. Parce que je crois que quand même... J'ai l'impression que quand j'arrive à la fin de la discussion, tu sais, quand genre, je les force trop à me parler et qu'ils veulent plus me parler, je crois que ça diminue la... J'ai l'impression que ça diminue. Mais je suis pas sûre, notre amitié. Joseph au four pour le goûter dans son propre resto. Vous êtes vraiment horrible. Ça va pas ou quoi? On fait les maisons après. On fait déjà les habitants de dehors. Normalement, il y en a un, deux... 3, 4, 5, 6 dehors. Super. On a déjà fait 2 dans 3, donc il en manque encore 3. Des cadeaux comme ça, hein. Franchement, bien dit. Hein. Merde. Bon, c'est pas grave. Oh, Caro, là, Robert, vous me faites chier. Robert, on l'a fait, mais pas Caro. Là, Caro, franchement, tu me fais chier, là. Il faut que tu descendes, Caro, sinon je peux pas te faire, en fait, là. Elle fait un peu chier. Tiens, y a Rena qui est là. Et c'est par exemple, c'est les trucs comme ça qui font que... bah, les habitants, je peux pas voir s'ils ont un truc à me donner. C'est que, genre, Caro, par exemple, elle est assise, elle me donnera jamais une quête en étant assise. Faut qu'elle soit debout pour me donner une quête, je crois. Ça aurait été mieux s'ils avaient mis... quelque chose pour indiquer... Où tu en es avec l'amitié? Ouais, j'avoue, par contre, on sait pas du tout comment on est avec les habitants au niveau de l'amitié. Hein. Ça, c'est un truc qui manque un peu, je pense. C'est vrai, je suis d'accord. C'est dommage qu'ils aient pas mis une jauge d'amitié, entre guillemets, tu vois. Ou, je sais pas, un petit carnet ou un truc comme ça, où quand tu regardes, tu peux voir avec les habitants comment t'es ami, tu vois. Ça aurait été sympa, tu vois, genre, tu mets le livre, je sais pas, genre, journal intime, et tu vois, quand t'ouvres le livre journal intime, quand t'interagis avec l'objet, t'as une feuille avec écrit les habitants et le niveau d'amitié, tu vois. Ça aurait été trop cool, par exemple. Enfin, je dis une connerie, tu vois, mais ça aurait pu être vachement sympa. Un peu comme sur Stardew, tu sais, où tu consultes un peu la météo à la télé, etc. Quand tu sens dans une maison, ils te donnent pas... Et s'ils peuvent me donner une quête, ils peuvent me demander, du coup, moins de quêtes, mais ils peuvent m'en demander quand même. Ah, elle veut quoi? Elle me donne une quête. Elle veut quoi? J'ai pas regardé. On va lui redemander. Des libellules un peu partout. Elle veut une libellule. Putain, fais chier. Il n'y a pas des masses. Ah mais si, on est en été. Je suis le 4 juin, là. Je suis passée à la période où il y a des libellules. Ah, c'est chiant, les libellules. Donc là, on a la quête libellule. Super.
Donc la quête à attraper un insecte, poisson, etc. Ça compte comme une quête. Les libellules, elles sont plus proches des rivières. Alors, on va remonter un peu. J'espère que j'en trouve une rapidement. Mais ils peuvent du coup te donner des quêtes même s'ils sont chez eux. Donc par exemple, cette quête-là, elle fonctionne. Il y a d'autres quêtes aussi qui fonctionnent. Mais pourquoi dans mes fleurs, il y en a toujours une qui pousse pas en même temps que les autres? Je comprends pas. Pourquoi elle pousse pas celle-là? Il y en a une qui est pas poussée au max. Ça n'a aucun sens. Faut parler à Astrid de lui parler de l'amitié. Ouais, mais elle te donne pas non plus la jauge d'amitié que t'as avec les habitants, tu vois. Le nombre de buissons, c'est un screamer. Ah oui, j'ai beaucoup de buissons. Bah oui. J'ai voulu tout garder parce que j'avais la flemme d'en racheter à... à Racine. Mais bon. Il y a plein de choses logiques et simples dans ce jeu qui auraient pu être sympas, mais vraiment largement faisables en plus. En plus, c'était... par exemple, tu vois, sur New Leaf, je sais pas si vous avez joué à New Leaf ou pas, mais sur New Leaf, il y avait des objets comme la Wii U, il y avait la 3DS, et en fait, en interagissant avec l'objet, tu pouvais jouer à des mini-jeux sur la Wii U et à des mini-jeux sur la DS. Et c'était vraiment des mini-jeux dans le jeu. On avait testé la dernière fois en live, si jamais il y a une rediff où on joue aux mini-jeux. Bah, c'était vraiment cool, quoi. Moi, je passais des heures à jouer à ces mini-jeux-là quand j'étais petite, quoi. Et j'étais trop contente. Enfin, petite. Plus jeune. Petite, je suis pas vraiment petite, mais... Et qu'il y a des papillons, là. Il y a pas des... Ça va être galère, les libellules. J'ai l'impression que j'en ai vraiment jamais. Il y a une Sissendelle ! Sissendelle, vous courez après. Purée. Toutes les mêmes, les Sissendelles. Moi, je vous le dis. C'était incroyable, mais c'est génial, hein, franchement. Le principe de mini-jeu dans le jeu, ça me donnait grave envie de jouer. Tout simplement, on s'ennuyait pas. Bah, c'est ça, ouais, t'avais plein de trucs à faire. Quand tu t'ennuyais un petit peu, bah, tu faisais un petit mini-jeu, hop, mais t'es inclus dans le jeu. Enfin, c'était trop cool, quoi. C'était trop cool. Dommage qu'ils aient enlevé. Plus qu'une quête. Pourquoi ? Plus qu'une quête. Après, pour les 200 ? Bah, c'est la. Ça, c'est la deuxième. Du coup, ouais, il nous reste celle-ci. Là, celle-là, ce sera la... Oh, non, oh, reviens. Pitié. Putain, non, reviens. Ok. On est à la 200e. Ça, c'est la 200e quête. Ça slay. En vrai, ça avance, franchement. Je joue aussi un peu en off de mon côté. Donc, j'avance aussi un petit peu. Il y a des trucs un petit peu... lambda que je fais. J'aimerais me lever, pas de soucis. Elle a capté que j'avais un truc à lui donner. Il y en avait une là, c'est une vanne, il y en avait une devant elle. Vas-y. C'est comme le marché aux puces, j'attends toujours qu'elle revienne. Non, il y est pas. Il y est pas, tu vois. T'inquiète. Ah, c'était cool le marché aux puces. En vrai, j'aurais adoré, tu vois, un truc, un peu un événement genre marché aux puces. Un peu comme dans les Sims, quand ils font genre l'espèce de braderie. Là. Non, mais c'est un marché aux puces aussi, je crois. Où, en gros, ils te donnent... Enfin, c'est exposé en extérieur et ils mettent plein de meubles dehors et tu choisis les meubles que tu veux. J'aurais adoré, tu vois, que ces meubles-là, par exemple, chaque habitant ait un petit espace sur la place et qu'ils vendent un ou deux meubles, tu vois. Ça aurait été trop cool. On peut se poser sur une bâche, un petit peu comme bah, sur les Sims, tu vois, ça aurait été trop cool. Mon carreau, Robert, c'est pas grave, mais carreau, on fait chier. Et on va attaquer les maisons, parce que je crois qu'il y a plus personne. Enfin, j'ai pas trouvé du moins. On va aller voir Zinzin. Zinzin qui est là. Zinzin, il nous a... Zinzin, il m'a jamais donné de quête, je crois, jusqu'à présent. Oh putain, il y a Philibert. Ah, c'est chiant parce qu'en fait, si je leur parle, ils vont juste me parler de l'autre. Oh, regarde, il y a Philibert. Oh, regarde, je suis chez Zinzin. Genre, ils vont faire que ça. Et ils vont pas me parler de rien. Enfin, d'autres trucs en fait. Donc là, en fait, les deux sont condamnés à moins qu'ils sortent et que je relance le jeu. Oh, chier. Donc j'en ai trois de condamnés, entre guillemets, des habitants là aujourd'hui. C'est un peu chiant. Bisous, Smarties. Ah, Clara, t'assieds pas. Voilà, merci. Il y avait un peu ça avec Revendé. Oui, c'est vrai, avec ASNL, ouais, il y avait un peu ça, Midona, j'avoue. C'était un peu le même système, mais pas... Enfin, sans vraiment être un événement, tu vois.
C'était que je réparais ma maison à chaque fois et tout. Ah oui, c'est vrai, moi je crois que j'ai jamais participé réellement au marché aux puces, je m'en fiche un petit peu. J'avoue tout. C'est un peu mimi en vrai le principe d'aller chez les habitants et de leur acheter des meubles. En vrai là le marché aux puces avec le DLC, je me demande comment ils auraient pu l'inclure, parce que du coup quand on refait les maisons des habitants, c'est pas eux qui... Enfin si on achète un meuble, bah en fait ils ont plus de meubles et ils en remettent pas un quoi. Mais maintenant mon île est rasée. J'ai pas 5 étoiles non. T'as pas vu mon île, elle est toute plate. J'ai rien dessus. Fili caca, arrêtez, c'est pas Fili caca, pauvre. Moi j'aurais voulu avoir plus de boutiques à Bassa, Luke, là. Moi aussi, hein. Je pense un peu tous, on aurait bien aimé avoir plus de boutiques ou ne serait-ce que plus d'agrandissement. Là, vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une honte. Hein. Du fait qu'on ait genre un seul agrandissement de boutique Nook. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une honte. C'est vraiment honteux, là. Toute la série Animal Crossing, elle s'est fait chier dessus, là. Et c'est pas une vanne quand je vous dis ça. Genre, dans tous les autres opus, la boutique Nook, elle évolue au moins 3 à 4 fois. Là, on en a eu une seule. C'est vraiment une folie, hein. Je trouve ça vraiment abusé. Ah bah, Clara avait pu me parler. Zubir, je l'ai saoulée. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, c'est... 3 à 4 fois SVP. Ah, une. Ils auraient pu faire tellement des trucs de fou avec une boutique de zinzin et tout. On a une vieille boutique nulle. Mais tu sais, t'as les gens qui défendent le jeu en mode « Oui, mais c'est parce qu'on est sur une île déserte et tout. Île déserte ou pas île déserte, je suis désolée, t'as les matos, tu le fais venir et hop, voilà, tu construis, quoi. » Genre, Osef... Ah bah non, Joseph, on l'a déjà fait. Mais... Genre, Osef d'être sur une île déserte, etc. Il y a bien un musée qui s'est agrandi deux fois, là. Je sais pas pourquoi on pourrait pas, nous aussi, agrandir la boutique, nous, quoi. C'est pas une question de oui, non, mais c'est pour être plus réaliste. C'est juste qu'ils ont la flemme de développer le jeu, quoi. C'est de fou, hein. Chaque mois, on était hypé, on se demandait quelle prochaine boutique on allait avoir. Spoiler, aucune. Terrifiant, hein. Réel comme tout. En plus, le jeu est 10 fois plus cher que les autres. C'est terrible. Après, bon, hé. On peut pas cracher dessus non plus. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui différencie, par exemple, New Leaf, donc les anciens opus, versus ACNH, en gros. Et en faisant cette vidéo-là, en fait, je m'attendais vraiment à chier à la gueule d'ACNH, honnêtement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ACNH avait ajouté genre environ 35 nouvelles features qu'on n'avait pas sur Animal Crossing New Leaf, contre une vingtaine qui disparaissaient. Donc il y a quand même plus de nouveautés qu'il y a de choses qui ont disparu. Je sais pas si on se rend compte du nombre de choses qu'ACNH a apporté à la licence Animal Crossing. On est un peu trop nostalgique à se dire oui, mais les anciennes versions, etc. Mais ACNH, c'est un jeu qui est vraiment excellent. Il faut dire ce qu'il est. Il n'est pas comme les anciens. Et c'est ça, c'est pour ça que la communauté Animal Crossing reproche un peu ça à Nintendo. C'est que il n'y a aucun lien entre celui-là et les autres. Et c'est ça qui est dommage parce que bah, ça, depuis la sortie des Animal Crossing, ils avaient tous un lien entre eux. Là, il n'y en a pas. Et c'est ça qu'on reproche. Et qui est dommage, mais en globalité, ACNH, c'est un très très bon jeu. Le jeu est beau, le jeu est relativement assez fluide, bon, sauf quand t'as des trucs horribles, t'as genre 50 milliards de meubles. Puis en soi, c'est pour ça que j'aime ACNH, il est pas comme les autres et c'est bien. Bah moi je trouve ça bien d'un côté, mais d'un autre côté je suis nostalgique et dégoûtée de pas avoir des trucs de la suite logique des choses quoi. Ouais, Cube, allez, donne-moi une quête. Désolée, je me concentre un peu sur ce qu'il me dit pour... bah voilà, par exemple, pour sur ça. On a eu deux quêtes quand même. Salut Erin et salut Gaston, merci pour le follow. Ouais, ta Sana, c'est incroyable, il est complet, mais complet pour ceux qui n'ont pas connu les anciennes opus, c'est ça, ouais. Franchement, le jeu est assez complet, après bon... globalement, oui, il manque des trucs, hein. Il manque des trucs assez importants dans la licence en général, mais... Bon, faut que je relance mon jour parce que j'ai quand même 4 habitants. 3 habitants que je peux pas faire, donc je vais relancer mon jour et je vais... Zinzin, Philibert et Caro que je vais un peu voir. Salut Manon! Comment ça va? Et salut FH, comment ça va? Quand même, le placement de meubles à l'extérieur, ça a été une véritable révolution, ne l'oublions pas. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai.
Et pas que en vrai, vite vu. Hein. Les mottes. En vrai, il y a un peu tout, hein, le remodel, tout ça. Enfin, c'est quand même une révolution de fou. Hein. De pouvoir défoncer tes falaises et créer l'île que tu veux, ça te laisse en fait tellement de choses à faire. Après, bon, faut savoir si t'es un joueur déco ou si t'es un joueur gameplay. Vite vu, nous, je sais toutes les deux qu'on va. On va pas forcément préférer ACNH, mais on a beaucoup plus de facilité à décorer sur ACNH que sur ACNL. On est des joueuses déco. Les joueurs gameplay, eux, ils se font chier, quoi, dessus. Je suis désolée de dire ça, mais ACNH, pour eux, c'est pas un bon jeu, quoi. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo sur la comparaison des deux, hein. C'est, les deux, en fait, ils sont pas du tout comparables parce qu'ils ont pas le même but, ils sont pas pour... Enfin, ils ont pas le même... ils visent pas les mêmes personnes, quoi. Là, ça vise clairement hein, des gens qui adorent la déco, tu vois, les gens qui sont nuls en déco, enfin, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais les gens qui sont nuls en déco et qui ont aucun plaisir et aucun attrait à faire de la déco, bah, eux, ils se font chier, quoi, sur le jeu. Mais c'est normal, puisque, bah, c'est un jeu décoratif, en grosse partie. Tu peux tellement décorer ta ville à ta guise, comme tu veux, t'as des motifs, ils ont fait l'effort aussi de mettre du PNG, donc du transparent sur les motifs, ça, c'est fou. Non ! Lève-toi. De l'eau, goûte. Je la déteste. Merci, Maddy. Et salut, Erin. Attendez, je bois. Pour noyer ma peine. J'ai pas été faire pipi encore. C'est fou, cette histoire. Comment ça va, Erin? On re-rentre. Pitié, ne t'assois pas, Caro. Ah bah, CNH, en termes de gameplay, on se fait chier, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Y a pas de gameplay. Une fois que t'as fini le début du jeu, t'as fini. Point. Je la déteste. Je cavale, mais j'ai pas le temps de cavaler parce que je me bloque dans les meubles. Ouais, ça va bien, Erin, merci. Ça va, ça va. Mais voilà, à part le 100%, c'est même pas du gameplay. Le 100% en soi, c'est... Enfin, un peu, mais c'est pas le gameplay comme on l'entend, tu vois. Genre, moi, quand je parle de gameplay, par exemple, sur Animal Crossing, en général, je vais... Non, elle va s'asseoir sur le canapé. Allez, elle va absolument lire son bouquin, là. Je pense que j'aurais dû bloquer toutes les chaises pour pas qu'il puisse s'asseoir dessus, genre. Non, Erin, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On live pas en même temps les mercredis, je crois, avec Harry. Mais oui, du coup, le 100%, enfin, pas le 100%, le gameplay pour moi sur ACNL, par exemple, c'était le fait de débloquer. C'était le fait, par exemple, de débloquer chacun des bâtiments. Ça, c'est du gameplay. De faire pousser ton arbre. T'avais vraiment un but, c'était de faire pousser ton arbre de ta place au... Enfin, le plus grand possible. T'avais un but, genre, de faire une belle île, etc. Là, t'as pas de but, mis à part décorer, quoi. Caro, je t'ai eu. Dictature, interdiction de s'asseoir. Debout ! Debout, Caro ! Tu vas dire à Nefer ce que tu voulais me bloquer. Quoi? Mais il dit pas ça, pourquoi tu veux dire ça? T'as réussi à la choper ma voile, je te jure. Je sais pas comment j'ai fait. Il y a aussi, t'as le DLC à finir si tu l'as pas fini. Oui, mais ça, en vrai, ça compte pas dans le jeu parce que c'est un DLC, tu vois. Vous avez vu le rayon de soleil là? Comment ça slay sur le petit pouf marocain? C'est trop mimi. Comment ça bouge par contre les rayons quand je parle et quand ça fait les zooms de cam là? C'est un peu mimi franchement. Salut Belly, comment ça va? Après un habitant ne veut plus te parler quand il veut te rappeler qu'il peut te donner une quête. Faut attendre le lendemain, t'as un travail. Ben moi je préfère TT parce que j'ai l'impression qu'ils m'en donnent pas quand même, même si je reforce. Du coup je préfère TT comme ça les reset, tu vois, pour la journée. Je sais pas si c'était une question ou une affirmation, mais... C'est mimi en vrai. Les rayons de soleil, c'est vrai, t'as jamais fait gaffe? J'ai l'impression qu'elle va rien me donner là. Vous avez vu les petits rayons là? Ils sont jolis en vrai. Ah, vous pouvez me parler. C'est ce que je disais, tout ça pour rien, Caro. Super. Allez, on va aller voir Zinzin et Philibert. Allez. Salut Liline. Bah, t'as loupé les petites avancées de déco assez faibles sur Mirabelle.
faut qu'on recommande des meubles parce que j'en ai plus et j'arrive plus du tout à décorer, j'ai aucune inspi. Du coup, on est repassé sur Akomoun pour faire du 100% et on va peut-être bientôt finir notre premier jour de farm là. Dis pas qu'ils sont encore tous les deux. Non. Perfect. Hello, Stanzi, coucou. T'es ici chez toi. Vas-y, on lui donne un cadeau. Grognasse. Il me dit grognasse. Faut que je range mes fleurs. Uniforme d'hôtesse de l'air, on va peut-être éviter. Je vais donner un tablier cousu par maman. J'espère qu'il est genre pas rose, ça ira pas avec sa couleur. Je crois que j'ai le vert, moi, avec cette île. C'est pas lui auquel je pensais, mais il est Mimi, ça lui va bien. J'étais pas prête à ce surnom. Grognasse. C'est son expression. Il dit grognasse à la fin de ses phrases. C'est son point. Son point de phrase ou son wesh. On dirait... Oui, un peu. J'avoue. Le bonnet vite vu. Bah moi, c'est Cédric, mon personnage préféré. Comme mon habitant préféré. De quoi, Loukla? Je comprends pas des fois ce que tu me racontes, Loukla. Quand t'avais fait offert une serviette de bain à Pachi, comment oublier ce moment fatidique? Il se trimballe avec le durag. Donc il a vraiment un bandana en mode gangster dans les cheveux. Et il se trimballe en serviette de bain rose, là. Je vais mourir. Il me fait trop rire. Et un chapeau glace à l'italienne, ne m'en parle pas. Salut, Ash, comment ça va? Et salut, Yuki. La musique, c'est Je vous aime, je crois. Attends, faut que je regarde. Ah bah, il veut plus me parler. Je vais regarder alors. Je crois que c'est Je vous aime. T'es marié avec Cédric, même, bien sûr. Je vais juste regarder la musique. C'est Je vous aime, ouais. Putain, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu, hein, Je vous aime. Et pourtant, tablier et bonnet magnifique, t'as vu? Ah oui, d'accord, ok, je comprenais pas ce que tu me disais. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Zinzine. Les zinzines. Bon. Vous savez que normalement, là, si je fais... Je pourrais tellement optimiser encore plus ma carte. Vous voyez la rivière? Toute la rivière, je pourrais l'enlever. Non, je pourrais faire un truc de rivière. Vous voyez le petit morceau de rivière qu'il y a à gauche des escaliers qui sont posés là avec, bref, les trois petits étangs là. L'étang qui est à gauche. Je pourrais faire un espèce de carré et une rivière qui descend jusqu'à là et bloquer en fait. Genre, vous savez, genre encercler la zone. Avec toutes les maisons et tout, et enlever tous les ponts. Si je faisais ça, les habitants, ils iraient jamais l'autre côté de l'île, parce qu'ils n'ont pas d'accès pour y aller. Ce qui fait que j'aurais beaucoup moins de trajets et de recherches à faire concernant les habitants. Allez, je renouvelle pour 3 mois. Soyons fous. Toi, t'es vraiment une petite zinzine. Merci Manon pour les 3 mois d'avance. Merci beaucoup, ça fait 6 mois de sub, c'est beau. Merci beaucoup, t'es un cœur. Merci, merci. J'avais une question, est-ce que si... On n'est pas le personnage principal, mais qu'on a le DLC, on peut quand même personnaliser la maison des habitants. En fait, je crois que t'es obligé d'avoir le DLC toi-même. En fait, le DLC, il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est un DLC par profil. Si je dis pas de conneries. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que je dis ou pas? Je crois que c'est un DLC par profil. J'ai une fille qui m'a demandé sur YouTube et j'ai pas su lui répondre correctement. Elle me disait mais j'ai le DLC et mon copain avec son profil il peut pas aller dessus, je comprends pas, est-ce qu'il y a un truc à faire ou pas? Non, c'est pas un DLC par profil. Sûr, sûr? Parce que moi j'ai qu'un seul compte à chaque fois, enfin un seul perso, donc je sais pas si je pourrais avoir accès au DLC ou pas. Moi je crois tout ce que tu dis sur Animal Crossing. Tu vois? Mais je suis pas sûre de ce que je dis. Parce que la fille disait qu'elle avait, enfin que son mec n'avait pas accès, donc je lui ai dit, il y a peut-être une possibilité, c'est que lui ne l'ait pas débloqué avec son profil, genre je sais pas, tu sais, il a peut-être encore l'attente ou un truc comme ça, et du coup il y a des étapes qu'il a pas fait pour pouvoir le débloquer, ou alors Nintendo en fait en sorte que faut que tu l'achètes aussi pour le profil. Parce que je sais pas c'est quoi la réponse. J'ai 2 profils et les 2 longs, ok. Mais est-ce que c'est parce que tu as l'abonnement
l'abonnement et tout ou pas? Je confirme, j'ai un seul DLC et plusieurs persos qui l'utilisent. Ok. Ok, alors. Ok, ok. Donc, en fait, c'est bien un seul. Mais c'est... vous êtes sûr, vous n'avez pas le... vous n'avez pas le pack familial plus un insecte qui aime bien les fleurs. Marine, elle donne une quête. Super. Mais attendez, j'ai pas tété. Chercher Philibert et Marine, elle me donne une quête. J'ai pas tété, hein. Un insecte de fleurs. J'ai aucun... ok, bah alors super. Alors du coup, c'est... ça fonctionne bien, tant mieux. Enfin, t'imagines en plus. Donc Marine, elle m'a donné une quête. Donc j'ai pu reforcer et puis elle m'a redonné un truc. Donc pour les habitants qui me disent non, je peux reforcer pour qu'ils me redonnent des quêtes. Mais ça va être long en fait, ça va être un peu chiant. Moi je cherche juste Philibert là. J'ai un insecte. Tiens, une petite menteur qui dé. Hop. C'est pour toi. Bah oui, pourquoi je vais pas lui dire non, je peux lui donner et les reprendre. Elle est con quoi. Oh, super lunettes. Je vais te donner un cadeau, Marine. J'espère que tu vas être contente. Oh, parce que ton peignoir, là... je vais lui donner un peignoir un jour, elle le met tout le temps. C'est terrifiant, c'est vraiment moche. Tiens, un uniforme d'hôtesse de l'air. Ça va bien t'aller. T'as vraiment une tête d'hôtesse de l'air et tout, donc... Direction la cabine d'essayage. Vas-y, montre. Horrible. Hideux. À vomir. Horrible sur elle. Horrible. Oh, les couleurs. Oh là là. Rouge, orange, vert et violet. Au secours. Au secours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saccagé le perso là. J'ai saccagé le perso. C'est une catastrophe. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? J'ai une habitante qui porte tout le temps la tenue de bouffon. Elle est horrible. Ah mon dieu. Ou quand il te l'offre au début du jeu là. Tiens, une tenue de bouffon. Ça va bien t'aller, je suis sûre. J'y ai pensé à toi quand je l'ai vu dans le magasin. Merci. Oh là là, tous les buissons en fleurs. C'est mimi, on va tout mélanger comme ça. Tu veux lui nuire avec cette tenue? Mais je savais pas à quoi elle ressemblait. Je savais pas à quoi elle ressemblait. C'est terrible. Bon, il est où, Philibert? Oh, je crois que c'était lui. Il m'a fait... oh non, il fait sa gym. Petite louloute, je l'adore. Petite louloute, quoi. On sait jamais, ça peut être une recette que j'ai pas, vous comprenez, du coup, je fais les tests, quoi. Je les prends tous en vrai, on sait jamais, c'est au cas où je les ai pas, même si bon, je pense les avoir. Cette armée de buissons, bah ouais, j'avais la flemme de tout, Ah, les voilà les petits cailloux, là, les petites orues à de service, là. Ils sont là. Philibert. 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 Tu es où, Philibert? J'en ai marre, je sais pas où il est. Bon écoutez, tant pis, on va têter. Hein. C'est moi, Kazine Ben Linéa, franchement. On a dû casser la lignée. En fait, ils pouvaient pas spawner le cinquième caillou, Zoruya, parce que tu sais, ils étaient déjà spawnés. Là, c'était les quatre derniers qui spawnaient. Et pas les quatre premiers, du coup on pouvait pas avoir de cailloux en plus. Mais je me demande si j'avais cassé les deux autres cailloux, est-ce qu'ils auraient respawn à leur endroit ou est-ce que... Bon, Philibert est pas là, écoutez, j'ai la flemme, on va têter. On n'aura pas la réponse, mais on aura eu trois quêtes pour aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Et je pense que du coup je pourrais encore forcer avec ceux qui m'ont dit non. Ils se cachent pour pas que tu viennes le harceler. Oui, c'est réel ce que vous dites là. Bon, au moins on aura un truc de plus. Stop Siri de t'activer là, on t'a pas demandé. On ne t'a guère demandé de t'activer en fait. Est-ce que dans le guide ACNH on peut voir tous les plans de... ouais, je crois que t'as tous les plans. T'as tous les objets. T'as tout, hein, vraiment, il y a tout, tout, tout et tu peux cocher en fonction de ce que t'as ou pas. Sérieux, BGM, cette histoire de cailloux. Ah ouais? Incroyable.
Belle lignée. Incroyable. Mais ouais, il y a tout dedans, Nanouche. Hein. Franchement, il est très très complet. Tous les plans, tous les objets, tous les habits. Attends, les plans, je crois que j'ai pas fait attention. Attends. Étagère ou armoire? De quoi? Comment ça? Oui, il y a tous les plans. Hein. Genre, en fait, par exemple... Je sais pas si vous verrez. Attendez, je vous montre. Sur le côté du guide, vous avez des trucs de couleur. La dernière partie la plus grosse, la grise, là... Là, c'est tous les meubles. Tout le catalogue du jeu. Donc, ça commence presque à la moitié du bouquin. Et ça te donne... Genre, tous les meubles avec toutes les couleurs, toutes les versions de meubles. Le prix... Où tu les achètes, s'il est personnalisable, combien il a de personnalisation, la taille qu'il prend, toutes les infos sur l'objet. Ça te donne tout. Et t'as tous les meubles commandables, après t'as tous les sols. T'as énormément de choses. Hein. T'as les petits meubles, après t'as les meubles de type trucs muraux, les tapis, les murs. T'as tout, 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 tout. Alors j'ai une connerie, j'ai dit... Ah si, tu peux les cocher en plus, pour savoir si tu les as ou pas. T'as les fringues, t'as toutes les fringues dedans. Les vêtements. Et t'as tous les fossiles aussi. Et t'as une catégorie exprès. Où t'as fossiles, gyroïdes, œuvres d'art, musique, photos d'habitants. Et t'as une lettre et t'as un autre truc. T'as tous les gyroïdes, tous les... t'as les vrais et les fausses statues. Ils te disent qu'on c'est des contrefaçons aussi dans le guide. T'as la discographie de Keke. T'as les photos et les posters des habitants aussi que tu peux noter. Il est très lourd le guide, donc je peux pas vous le soulever parce qu'il est vraiment... j'ai pas de muscles. Et t'as tous les papiers de cartes, genre de... pour écrire et tout. Enfin vraiment... L'application What the Fou, Marlou Wabou avec SNH Life. Et c'est quoi dans autre? T'as tous les outils. Tous les trucs à porter, genre les... T'as toutes les ressources aussi du jeu. Tous les buissons, les azalées, les fleurs. T'as toutes les mimiques. T'as tout le programme télé qui est expliqué en détail. Je rigole pas hein, quand je vous dis ça. T'as tout le programme télé expliqué en détail, c'est une dinguerie. On peut les cataloguer. Non, il faut que t'aies les amiibo, Ibo. Sinon tu... ça marche pas. Et après... Ah, et après, t'as toute la liste des villas de loups. T'as la vision de tout ce que les habitants veulent. Ah, ça, je savais pas. J'avais jamais été jusqu'à là. T'as tous les thèmes des habitants. Leur musique qu'ils ont. Et les trois objets phares de la maison. Si jamais vous voulez, genre, voir qu'il faut faire ou quoi. T'as les objets phares des habitants. Et je sais pas où il y a les plans de craft par contre. Et t'as les amiibo, comment ça fonctionne. Et là t'as justement tout ce qu'il disait par rapport au Sanrio. Il débloque tous les objets qu'il y a dans le catalogue, enfin dans le truc quoi. Et je sais pas où est-ce qu'on peut voir les crafts par contre. Je sais pas où ils sont les crafts. Ouais, il y a la liste de tous les habitants. Là, elle est là, genre t'as toute une partie où t'as toute la liste des habitants. T'as toute la liste. Et après t'as toutes les... t'as tout dedans, c'est très complet. Mais par contre je sais pas où ils sont les crafts. T'as tous les Miles Nook là. T'as tout le programme des Miles Nook, tout ce qu'il faut faire pour les débloquer. Il doit y avoir un truc comme ça avec les crafts mais je sais pas où il est. Évaluation de l'île. Franchement, le guide, il est tellement complet. Et je peux que vous le recommander, honnêtement. T'as tout ce qu'il faut pour les navets. Là, t'as tous les trucs de Blair. De Blaise. Les sacs. T'as toutes les statues encore, là. Comment je peux avoir les plans de craft? C'est écrit où? Je suis sûre que c'est quelque part. 251, les crafts, tu me dis. Ah ouais, c'est ça. Merci. C'est ça, ouais. La liste des recettes et des plans de craft. Donc t'as les plans de meubles. T'as toutes les listes, genre... Vous voyez à l'envers, mais...
T'as la liste de tout. T'as les plans de tapis, les plans de baguettes, enfin les plans d'outils, les plans d'hiver, la bouffe aussi. Voilà, t'as tout. Voilà. Ouais, il est énorme, hein, il est énorme. En même temps, il est gros et franchement, il est super lourd le bouquin, genre. Ça me fait du sport, vraiment, quand je le tiens. Salut, maman! Ah, oups. Il y a combien de pages? Il y a bah, 680, je crois. T'as plus de... Ouais, t'as genre... Est-ce que ça va même après? T'as 681, 2... 3, 4... 5, 6... 7, 8... 9... T'as 689 pages avec tous les crédits. Non, j'avais pas vu les dessins. Ça, franchement, vous voyez? Moi, je suis formée pour monter des catalogues comme ça. En gros, c'est mon métier. Moi, ce serait de monter des catalogues de ce style-là et des trucs comme ça. J'adorerais faire ça. Et là, il y a un truc vraiment que j'aimerais récupérer. C'est le dossier de fabrication de ce bouquin-là avec tous les fichiers, des images, de tout ce qui est utilisé dedans. Parce qu'en fait, tous les designs, pour une créatrice de contenu, je vous jure, ce serait une dinguerie. Tous les fonds de page, toutes les images qui ont été faites, tous les PNJ, enfin les PNG, tout ce qu'il y a dedans, j'aimerais le récupérer. Genre vraiment, je vous jure, ce serait une folie de pouvoir récupérer toute l'intégralité de tout ce qui a été designé pour le bouquin. Parce que tout est dans le style d'Animal Crossing, donc c'est dans la bonne DA, et j'adorerais avoir ça pour faire mes vidéos, etc. Mais je peux pas le trouver parce que bah, c'est des trucs qui appartiennent à Future Press. Donc Future Press, c'est la boîte qui a fait le bouquin, qui font pas mal de guides, et du coup c'est eux qui ont les trucs. Et puis Nintendo, je pense qu'ils donneraient pas comme ça l'accès à leurs trucs. Le guide, je l'avais acheté à la Fnac quand il est sorti. Vous pouvez le trouver sur Vinted, je pense. C'est le bleu, si jamais le vert c'est l'ancien et c'est pas le bon. Mais je crois qu'il est sur Amazon aussi, ouais. Salut Elisa. Bah la déco là, non, puisqu'on est sur Akomoon et on a un peu fait de la déco avant sur Mirabelle, pardon. Ça avance pas trop. J'avoue que j'ai pas d'inspi du tout. Donc j'arrive pas à avancer. Mais on essaye de faire plus. Bon, Marine. Tu es venue me demander des conseils de fashion. Pas de soucis, ma belle. Marketing viral. En 2024, je pense que ça pourrait faire du bien à mon image. T'as qu'à dire aux autres des trucs du genre Marine est plus tenace qu'un virus. Mais c'est sous Covid-19, ça. T'as fait des références au Covid. C'est fou, hein? J'ai besoin que tu me donnes une quête, ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit n'importe quoi. Ah, c'est pour ça, alors, Elisa. Ouais, du coup, on est passé sur Akomoon, c'est pour ça. Voilà, du coup, la déco, elle avance pas non plus ici, quoi. T'inquiète, y'a pas de soucis. Y'a pas de problème. Et salut Néa, je t'ai dit merci pour ton follow, je sais pas. Salut mes petits loups, je suis en train de faire mon 100% sur Akomoon. Ah ouais Marine, c'est pitié, genre... fais-moi plaisir et donne-moi une quête. Je t'adore, tu sais, donc... si tu pouvais me donner une petite quête, je dirais pas non, quoi. J'espère qu'elle me dise encore, bah... Voilà, ça. Désolée, j'aimerais bien être un petit peu seule. Ok, pas de soucis. Salut. Pitié, mais c'est moche, ça. Merci. Je vais... Oula. Non. Merci. Je vais ranger mon inventaire. On va remballer. Non, ça, on va le garder. Fossile non plus. Les fossiles, je commence à en faire une giga collection. Hein. En vrai, ça m'arrange un peu parce que ça, c'est tous les trucs que je pourrais donner aux habitants, tous les cadeaux que je pourrais leur faire. Salut Robert. Alors Robert, j'aimerais te faire un petit cadeau avant de te faire chier. C'est pour faire passer un peu mieux la pilule. Je te donne une monture arrondie, ça va trop bien lui aller, je pense. Vas-y. Bon. Ça va. C'est pas si pire que ça.
Ça lui va bien, vous trouvez? J'ai du mal, parce que ses yeux dépassent des deux côtés. Le regret. Ça va, y a pire, mais bon. Mi-mignon, mi-bizarre. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu bon. Allez, viens chez moi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est un insecte qui veut. Tu voulais un truc? Une libellule. Oh, ils me font chier, des libellules, là. Dis-moi qu'il y en a une pas loin. Ils ont un problème avec les libellules, hein. C'est vraiment la période où ils vont faire que nous demander, là. Donc, tant que c'est pas les taupes grillons, ça me va. Parce que les taupes grillons, ça, c'est chiant à trouver. Ça lui va bien, mais pas trop, quoi. C'est... Tu pensais adoucir sa side eyes, ça, ça raffermit. C'est terrible, c'est terrible. Je pensais que ça il serait slay, tu vois, mais... bof. Parce que oui mort, oui blessé. Je pète ma bière. Moi le bulule. Normal. Oui. Oups, pardon. C'est dangereux. Un cadeau. Merci, un cadeau. Ça fait plaisir, ça. Ah oh, putain, j'en ai deux dans, dans mes poches. Putain. Tiens, Caro, j'ai un cadeau pour toi. Je te donne un cadeau, un chapeau steampunk. Mais pas celui que tu viens de me donner, je te donne celui que j'avais déjà dans mes poches. C'est le chapeau que j'avais dit... Ah, merde. C'est elle qui me l'avait donné aussi. Non. Horrible. Horrible. Moche, moche, super moche. Moche, moche. Très moche. Au secours. Aïe, aïe, aïe. C'est pas... c'est pas ça, hein. C'est pas très beau. Libellule. Putain. Putain. Arrête. Jure. Elle peut fuir, la libellule? Vas-y, reviens. Vas-y. Non! Philibert, aide-moi! Mais jure! Ah, voilà, merci! Encore du Legas, ouais, je me dis bien, ouais. Allez, Robert! Philibert, je l'adore. Robert! Robert! Il n'y a pas à les appeler comme ça. Oh là là! Horrible, Caro! Vraiment moche. Moche, 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 quoi. Oh, quel enfer! C'est vraiment le pire des chapeaux, quoi. Ah, il est là. Il ne part pas. Philibert, qui a... ouais, vraiment, qui aura pas aidé. Vraiment pas, hein. J'ai ta bestiole. C'est un truc qui vaut cher, ça vaut genre 4000, je crois. Oui, je t'en prie. Parce que c'est des insectes rares. Robert, c'est acté. Ah, il me donne un super truc en guise de remerciement, je suis ravie. Un t-shirt léopard? Excusez-moi. Mais Marine, ça lui irait bien. Ah, mais non, je vais lui donner. Ah non. Non, je vais le garder pour... Non, je vais le garder. C'est celle qui me l'a donné. Tiens, un kimono ordinaire ancien, je vais lui donner. Elle m'a déjà dit non, Marine. On peut pas la reforcer pour l'instant. Oh, putain. Robe rayée sans manche. Merci. C'est vraiment moche, si je peux me permettre. Après, je donne un avis qui est pas très constructif, mais... Ah, faut que je lui parle. Mais lui, il est trop mignon. Je peux lui donner une tenue de merde. Tu me harcèles? Bah tiens, prends ça. Tiens, un chapeau de steampunk. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit loulou? Non. Une veste de chef d'orchestre. Vas-y, fais voir. En plus, il me donne des vestes, tu vois, dans des couleurs...
Bon, ça, ça lui va bien. Ça, là, ça va, ça va, ça va. Celle-là, ça va. C'est dans ses couleurs, c'est bleu, rouge, comme le casque. Franchement, ça passe. Ça lui va pas parce que c'est pas dans son style du tout, mais c'est pas horrible. Ça te dirait de venir chez moi? Oui, ça me dit de venir chez toi. C'est la première quête qui me donne en 5 jours, non, hein. Une semaine... 2 semaines. Et merci Samantha, merci beaucoup pour le 4e mois. Comment ça va? Merci beaucoup pour ton prime, c'est adorable. C'était pas lui qui te l'avait offert de base? Je sais pas. Je peux pas rester, non. Ripassé qu'ils vont se taper les habitants relookés par toi quand ils vont partir. Mais ils vont pas partir. Je les aime trop, je vais les garder. Non. Je peux jouer à un jeu. Faut lui parler 4 fois, je crois. Une orange, merci, ça me fait plaisir. Comme ça, je pourrais la manger à Noël et dire oh, regardez-moi à Noël, j'ai eu qu'une orange. Oui, bah nous, on avait des oranges à Noël. Ça va bien, merci. Zinzin, le nom claqué au sol. Ramène, je vais te slash ban, tu vas voir qui va être claqué au sol. Oh, parle pas comme ça de mon petit loulou d'amour que j'aime, en fait. Caro, je lui ai parlé? Non. Salut, Caro, ça va? Raconte-moi un truc, Caro. Ah, merci, c'est gentil, Belly. Pourquoi quand je me suis abonnée avec Prime, j'ai pas eu d'annonce? Ah, bah je sais pas, j'ai pas eu l'alerte non plus de mon côté. Mais merci en tout cas, c'est gentil. Le slash ban. Terrible. Salut Cookie, comment ça va? Attendez, je vais relancer mon live TikTok parce qu'il est pété, je crois. Ah ouais, c'est bon. Rose Martins! Allez, Caro Pitiax. Tu racontes quoi, Caro? Désolée, j'étais en train de régler mon truc, là. Voilà. Hé, Caro! Oh, re-rouleau! Ça a été ta petite promenade. Espérons que TikTok te banne pas comme... Non, non, ça va, Loulou. Ça fait un moment que ça l'a pas fait. Ah, plus me parler. Salut, Lucie, comment tu vas? Caro, c'est un nom, encore une fois. Tiens, c'est étonnant. Attends, j'aurais pas dû lui donner ce chapeau de merde. Mais ça faisait du bing, bah tant mieux alors. Tu vas me battre cette semaine. Ah, maintenant on a plus la compétition, il faudrait qu'on la relance. Je t'avais battu la dernière fois, non? J'ai trop slayé. Tu m'aurais battu là, je pense. Au vu de ta petite promenade là. Il est où l'autre fou là? Ah, bah non, mais il était rentré chez lui. Ah, il y a Philibert qui était dehors. Tu sais, je t'ai envoyé. Ah, bah j'ai pas reçu. Putain, mais je reçois pas les notifs, fais chier. Merde. C'est où? Ah non, j'ai pas eu. Et Lox, il me disait... Regarde si t'as pas cliqué sur ça. Non, je disais, hein. Mais je vois pas, en fait. Je vois pas vos cercles. Ma montre elle est buggée. Enfin, je sais pas c'est quoi qui est buggé, mais c'est buggé. Mais Fraîcheur for Life, c'est moi sur ta photo. Est-ce que tu peux m'enlever de ta pépé, s'il te plaît? J'aime pas qu'on m'utilise comme photo, s'il vous plaît. Utilisez pas ma photo, s'il vous plaît. Ni ma pépé, ni rien. Par Pitiax. Marine, on a dit qu'on l'avait déjà dit non.
Salut Mimi. Tu peux venir plus tôt, j'étais occupée. Ouais, ça va bien, merci. Le carreau au fond, là. On va aller voir Pachi, tiens. Allez. On aurait pu aller voir Zinzin, mais je sais pas où il est. Hop, il est là. Ça me met de demander en attente. Bah, je sais pas pourquoi. Attends. Je vais regarder. Sur le téléphone. Merci de 2 heures. Roulia a terminé un exercice. C'est bon, là, je les vois les trucs. Putain, Lox, il a grave bossé là. Affronter. Bah. Ça marche là? T'as reçu mon invite ou pas? Pas chez le bébou. Lox, il charbonne, hein, t'as vu? Purée. Il rigole pas lui, hein. Faut qu'on lui donne un truc. Merci Valou et merci petite crêpe. Oh, petite crêpe, oh non. Ça me donne faim. Ça se fait pas. C'est bon, ah parfait alors. Mais Lox il me disait, lui il reçoit toutes mes notifs, genre moi je reçois pas, ça vibre pas. Pourtant, oh, Rena a oublié un truc chez moi. Vas-y, je vais lui rendre. Merci Pachi pour la quête. 3 quêtes déjà. C'est bien ça. Et on va lui donner un cadeau. On lui donne... Oh venez, on lui donne le t-shirt léopard à Pachi. Ça va bien lui aller. Ah t'inquiète Margot, y'a pas de soucis. Profite bien. Ah merde, bah, je peux pas lui donner de cadeau tant qu'il me donne une quête. J'avais rien reçu de toi. On est d'accord. Bah, je sais pas pourquoi lui il a toutes les notifs comme ça. C'est bizarre en vrai. C'est bizarre. C'est quoi un raid? Un raid en gros c'est à la fin du live. Par exemple moi quand je vais arrêter le live, je vais pas vous laisser là en plan. Je vais vous envoyer vers quelqu'un. Et c'est ça un raid en gros, j'envoie tout le monde vers quelqu'un. Quelqu'un d'autre qui stream quoi. Chez un autre streamer je vais vous envoyer. Elle était cachée. Elle mange sa glace dans sa salle de bain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée une petite glace au chocolat. Je vais lui donner la petite robe. Là on a passé les 200. On a 202, 3, un truc comme ça. Ça te ferait plaisir? Slay, ça slay hein. Faut pas dire des crêpes la dernière fois, Lolo a parlé de fondant. Du coup j'en ai fait, au secours. Ah, robe à poing. C'est quoi ça, robe à poing harlequin? Non, on va lui donner une robe rayée sans manches. Je l'adore, Rena, c'est mon habitante fille préférée. Oh, ça lui va trop bien! Salopette Angela, il me donne des bons trucs en vrai là. C'est cool. Ça lui va bien, regardez, en bleu. C'est pas la couleur que j'aurais dit qui était idéale pour elle, mais ça lui va bien. Je sais pas du tout Smarties en vrai, j'en sais rien. Quand j'en aurai marre, je pense. On va retourner voir Pachi, on va lui dire Pachi, regarde. Et puis on va lui donner le t-shirt léopard. Ça lui va bien le t-shirt léopard, franchement. Ça lui va bien. À tout moment, c'est trop moche et c'est une couleur horrible, genre du rose fluo ou je sais pas quoi. Je sais pas s'il y a plusieurs couleurs pour le truc léopard, je pense qu'il y a moyen. Pachi, loulou. Trini. Et Rena, on l'a pas faite encore. Faut qu'on aille la faire après. C'est la seule habitante bien habillée. Oui, vraiment, toutes les autres, elles ressemblent à rien, là. Attends. Attends, on va bien habiller Pachi, regarde. Un petit t-shirt léopard. J'en étais sûre. Je vous ai dit quoi? Il va être rose fluo. J'en étais sûre. Quelle horreur. Oh, putain. Avec ton habit de panthère, là. Vraiment. Tu l'as tellement pré-shot, vraiment, c'est terrible. Au secours, quoi. Bah après, là, l'autre carreau, là-bas, le chapeau, je lui ai donné, vas-y. Je pense que j'aurais dû me taire et rien faire, parce que là, c'était horrible. J'aurais dû lui donner le truc léopard. Ça aurait été mieux avec le carreau. Quelle horreur, quoi. Donc, on s'est embarqué, les gars, là. On papote. Donne-moi un truc, Rena, s'il te plaît. Trop greux, Pachi. Franchement, il drague et tout, hein. Il drague de fou.
Mauvaise nouvelle. Oui, vraiment, Victoire. Pachi, il est grave en mode mauvaise nouvelle. C'est terrible. Pachi Tukuga. Oh non. Salut Mei, comment ça va? Et merci Samy pour ton follow. Salut Picarine. Je viens de craquer pour... Ah c'est vrai, tu l'as pris, incroyable. Si jamais moi j'en ai un à faire gagner, des guides aussi, faut que je fasse la vidéo en fait sur le guide. Il faut que je la fasse. Je pense, faut vraiment que je la tourne. J'en ai beaucoup de choses, des... enfin j'en ai beaucoup des trucs à dire sur le guide en vrai. Un chauffage central, ah oui c'est ce qu'elle a. Mais tu fais bien, franchement, si y a des trucs sur le guide, enfin s'il y a bien un truc sur le guide à savoir, c'est qu'il faut le prendre quoi. Franchement, il est vraiment cool. Mais elle parle trop mal du porte-parapluie là. Elle dit que l'objet, il a pas de vocation à exister, genre. C'est trop... Ça passe pas. Je l'envoie, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Même l'automate, il a pas aimé. Ah, elle veut plus me parler. Mauvaise nouvelle. Salut Lala, ça va et toi? Salut Kevin, comment ça va? C'est canapé, non? J'ai rien compris. Je reposte le fin de mon message précédent. La fin de mon message précédent. Quand je passe en coup de vent ces derniers temps, j'ai pas trop suivi. Est-ce que la quête... Non, j'ai pas fini l'une. J'ai pas fini. Mais je l'ai bien avancé et on est dans les 2600 quelque chose. 2650 à peu près quoi. Merci Mathilde pour le follow. Merci beaucoup. Donc on a bien avancé. Oh non. Vous me faites chier. Zinzin et Clara. T'inquiète Lala, t'excuses pas, y'a pas de soucis. Parce que c'est une grenouille. Bah ouais, mais elle est pas censée tailler l'objet, tu vois. Elles sont... Ouais, elle sait pas c'est quoi l'objet porte-parapluie, je pense. Bah, genre, elle s'en fout, quoi. C'est une petite tailleuse. Good Lune, comment ça va? J'ai sursauté. Eh non, tu n'es pas la seule lune. Toujours les mêmes, vraiment, toujours le même. Hein. Ah! Ça y est, il fait la cuisine de son resto, là. Il utilise vraiment le meuble comme il se doit, quoi. Mais merci pour ton follow, Lala. S'amuser tranquillement. Oui, vraiment. Mais en fait, ils sont chiants quand ils font ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que l'un et l'autre, ils vont me faire que de me parler du fait qu'ils soient tous les deux réunis chez Zinzin, genre. Et du coup, ils me donnent pas de quête. Ils sont trop chiants. Putain, le cuisinier. Tablier avec manche. En plus, ça slay pour la cuisine. T'as mis un petit tablier et tout. Ouais, ça va bien, merci Lune. Je ne suis pas unique. Après, t'es Lune. T'es Lune Émésie. T'es pas juste Lune. Ça me donne fin pitié. Bah, c'est un beau resto. Hein. Regardez les petites. Oh, j'ai envie d'une tarte aux fraises ou un truc comme ça, là. Dans mes constructions, ils me proposent pas de faire une armoire. Bonjour, papillon. Pas compris. Prochainement, le resto de Joseph va ouvrir. Bah franchement, là, il fait des tests, hein. J'ai envie de gaufre. Arrêtez. On en a déjà parlé tout à l'heure. Genre un bon plat de bolo. Mmh. Miam, miam, miam. Merci Valentine pour ton follow. Merci User aussi. Merci beaucoup pour vos follow sur TikTok. Une tarte au flan. Arrête, Loulou. Arrête. Je te déteste. Me parle pas de tarte au flan, Loulou, s'il te plaît. J'en veux maintenant. Je lui ai donné un cadeau avant. Ah merde, trop tard. Merde, j'aurais dû le faire avant. Tant pis, t'auras pas un cadeau superbe de ma part. Bye. Tarte au canard. Allô, comment ça? Avec Joseph? Trop bizarre. Trop bizarre. Louche. Étrange. Étrange, étrange. Philibert est attendu à l'accueil. Philibert, tout à l'heure, il était tout en haut, là. Il a juste changé d'arbre. Putain, il a rien foutu depuis tout à l'heure, là. Une cuisse de Joseph au miel. Au miel? What? Ouais, ils peuvent. Parce qu'après qu'ils t'aient donné le craft, après, ils font leur vie. Je suis affreuse, vraiment. Venez, on lui donne un cadeau maintenant avant de le saouler. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit, mais il avait l'air très en colère. Philibert, toi, je vais te donner
Un polo d'uniforme de boutique. Non, me dis pas que c'est un polo d'uniforme boutique. Faut goûter si vous avez jamais testé. Jamais testé, j'avoue tout. Oh putain. Pourquoi est-ce que j'ai que des trucs roses fluorescents pour mes habitants qui sont bleus? Oh my god. Quel enfer. C'était sûr, fallait que je préchote la couleur, quoi. Je me connais trop bien, il met des trucs roses. Et ce rose-là, je le trouve hideux, quoi. Le rose fluo... Pff. Pour l'uniforme boutique, c'est comme Always Discret Boutique. Ah, vraiment. Au secours. Trop sexe le Philippe, je te jure. Là, c'est quelque chose. Pourquoi tu l'enfiles pas avant de... Ah, j'ai la flemme. Ça veut dire que je dois prendre le temps et tout de me changer pour remettre mon motif après, parce que j'ai un motif. Oh, j'ai la flemme. C'est pas grave, j'irai me plaindre à Marie et je dirais qu'ils sont mal habillés. Je vais plus me parler, super. Bon, faut qu'on voit Clara et Cube. Eh ben écoutez, les deux sont pas disponibles. Ah non, c'était Zinzin. Bon, c'est pas grave, on va têter. Je suis des créatures marines, les poissons, j'ai presque... C'est quoi l'insecte qui te manque, Maï? T'en es à où? C'est bien, t'as bientôt fini en vrai, c'est cool ça. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font quand même le 100%, genre surtout genre les trucs classiques, genre bébétopédie, genre... Je pense qu'en vrai, pour beaucoup, vous le faites. Pour les gens qui ont une partie depuis longtemps, je pense que c'est fait, mais pour les personnes qui redébutent, est-ce que vous mettez l'objectif quand même, même si vous avez reset, de refaire la bébétopédie quand même? Philibert me drague avec son petit t-shirt de boutique, j'avoue. Bébétopédie, j'ai presque fini, je sais pas, c'est bien ça. Comment on fait pour cuisiner? Pour cuisiner, il faut que tu aies le meuble. Et il faut que tu débloques la cuisine. Je sais plus comment on la débloque, par contre. Je crois que c'est après les 3 étoiles. Si je dis pas de conneries. Vu que j'ai pas reset. Non, mais c'est pas grave, Rouleau. C'est pas grave. Et du coup, tu fais un peu du 100% aussi ou pas? Je me rappelle plus. C'était toi ou pas qui m'avais dit que oui? Ouais, je refais la bébétopédie, ok. 100% bébétopédie, il faut attraper les insectes ou juste avoir dans les mains? Non, il faut que tu les attrapes. Il manque la tarentule. Ah ouais, non, c'est un chien en plus qui te manque là. Oh là, c'est un relou. En vrai, ça va, il est pas compliqué à attraper, mais il faut que tu tombes dessus et il faut pas que tu te fasses... C'est un insecte qui m'angoisse, moi. La tarentule et les scorpions, c'est deux insectes que je déteste dans le jeu. Ils me... Vraiment, je vous jure, c'est terrible. Ah, ça fait une semaine que j'ai pas touché à mon île. Là, il faudrait que je la rase. Et ma déco est trop saluante. Bah ouais, c'est vrai. Hein. Merci Mathis pour le follow. Merci Mimi aussi. Merci User. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien sur TikTok et que vous passez une bonne journée. Petite dorée, il faut bricoler. Pour les avoir en item. Les outils dorés, pour les miles, il faut juste que tu les aies dans les mains. T'es pas obligé de les crafter. J'ai fait une grande pause d'assainage, j'ai repris, vous m'avez donné envie, c'est vrai. Trop cool, Picarine, en vrai. Tu vas reprendre une partie de zéro ou tu reprends la partie que t'avais déjà? En vrai, franchement, le 100%, il est bien quand tu te dis que t'as déjà commencé. Je sais pas, t'as joué pendant le confinement, bah t'as déjà bien entamé le 100%. Faut juste que bah tu fignoles, entre guillemets, quelques cartes, quoi. Je veux te parler, en fait, Caro. À la place d'être déçue, là. Je vais lui donner la robe, là. C'est que j'avais déjà. Bon, c'est bien alors. Tu vas avancer plus vite, c'est cool. La robe à point harlequin. Je crois que c'est elle qui me l'a donnée, mais je sais pas. Je suis pas sûre. Et ça va être horrible, non? C'est quoi cette robe? Non, c'est pas elle qui me l'a donnée. Ok, ça va, il est mimi. C'est pas ce qui lui va le mieux, mais ça va. Je m'attendais pas à celle-ci, j'avoue. Je savais plus c'est laquelle. Ça lui va comme un gant, quoi. C'est... Ah oui, une 885 heures, ouais, c'est bien, bon, t'auras déjà bien avancé. Moi, je ferai le 100% quand j'aurai terminé mon île, comme ça j'aurai plein de trucs à faire, ouais, de fou, hein. Après, ça qui est un peu chiant, c'est que moi, je peux vous conseiller de faire le 100% quand votre île est rasée. Parce que c'est plus simple pour en tout point, de trouver les habitants, de trouver des insectes, de farmer les quêtes, etc. C'est beaucoup plus simple d'avoir tout rasé. Elle m'a dit que c'était fabuleuse aujourd'hui, elle est trop mignonne.
Pas de soucis, Lala, des bisous. Trop slay, c'est bien dit, c'est bien dit. Salut M et salut Lou sur TikTok, j'espère que vous allez bien. Et merci Sinei pour ton follow. Merci beaucoup. Compressé, ok, ok, Caro, vas-y, continue. Discute un peu. Créature marine. Bon, let's go, Picarine, en vrai, t'es pas loin, là. Il y en a, elles sont reloues à avoir, hein. Les plus durs, là, les gros bénitiers, l'espèce de petite méduse aussi, là, les galères à choper. C'est un peu un enfer. Certaines, là, elles sont un peu dures. Hein. Elles sont un peu galères. Oh, merde, elle peut plus me parler. Caro, t'es trop vilaine. Caro, elle m'a donné... Non, Caro, c'est la seule qui me donnait beaucoup de quêtes au début. Ok, je dis rien, je dis rien. Je vais pas la triquiter. J'ai deux canards sur mon île, je suis en train de capter. J'avais même pas fait gaffe. J'ai jamais terminé une île et là, je suis pas loin, donc j'ai évité... Oui, rase pas tout de suite. Tu peux la fitter quand même. J'avoue que ça me corsera la tâche. Après, oui, tu fais comme tu veux si tu te sens de le faire sur le 100%. En vrai, tant que t'as une île qui lag pas trop, c'est ok, quoi. C'est juste que c'est plus galère. Après, bon, tu peux quand même faire les plus simples sans faire celles chiantes, tu sais, où tu dois choper les insectes, les poissons pour commencer. Enfin, après, les poissons, ça va. Je suis attaquée par les bénités géants, perso. Au secours. Ils te chassent, c'est l'inverse. C'est pas toi qui les chasses, c'est eux qui te chassent. Je suis sûre qu'il a le crâne tout doux, j'avoue, en vrai. J'avoue. Tu te rends compte comment t'as écrit Joseph, c'est une attaque pour lui, quoi. J'ai pépé. Ah, vas-y, il veut venir chez moi, super. Bah vas-y, maintenant. On peut programmer un truc à deux mains? Je savais même pas que c'était faisable. Vous avez déjà essayé de programmer la visite à deux mains? Ce que ça fait? J'ai jamais testé. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Voilà Joseph. Allez, bye Joseph. Je suis trop accueillante comme personne. Franchement, venez chez moi, je vous ferai pareil. Voilà chez moi, au revoir. Il manque le crabe araignée. Ah, il est chiant. Mars, avril, en vrai, tu t'étais en arrière et puis hop. Salut Anto, ça va et toi? Comment tu vas? Allez, tchuss, on a fait une quête en plus. La suite. La suite, la suite. Qui on a... Oh waouh, purée, il y a une grosse séance de sport ici. Ça te ferait plaisir un petit truc là, un petit cadeau? Regarde, j'ai plein de choses pour toi. C'est quoi ça? Salopette en jean. Vas-y, je te donne ça. Putain, Rena, t'as sorti le gros halter. Putain, les bibis qu'elle a, elle est musclée, hein. Ça va être horrible. Oh, ça va, ça lui va bien en vrai. Merci Tata pour le follow. Me manquait l'algue raisin de mer. J'ai mis 3 jours à l'avoir. J'ai lu au moins 6 fois le bébé. Oh là là, la vache. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai cru qu'elle voulait me donner un truc. Et ben c'est celle qui a pour ton follow aussi. Ah, et j'ai une quête qui a bip bip. Faut que je la récupère pour les maïs plus. C'est bien parce que là, les 3 ils sont occupés. Du coup, ils vont pas bouger. Donc j'en ai 3 qui sont là. Hop. Ils vont avoir des muscles saillants, moi. Je dis des muscles saillants. Ils ont vu ça, ouais, de fou, Zoria. Je crois qu'ils m'aiment bien, ouais, de fou, hein. En vrai, c'est facile à choper quand, tu connais la technique, la petite astuce pour choper les créatures marines qui vont vite. En fait, c'est de pas nager, donc t'appuies pas sur A, et juste tu te déplaces avec le joystick et c'est tout. Tu te déplaces au-dessus de l'ombre, ça leur fait pas peur. Et une fois que t'es juste au-dessus, tu plonges et tu appuies sur A pour foncer sur eux, genre. C'est beaucoup plus pratique comme ça. T'arrives plus facile à les avoir. Enfin, t'as plus facile à les avoir. T'as un coquillage bleu. Les coquillages estivaux, Clara? Je pense. Je suis au mois de juin. Je sais pas c'était quand qu'ils apparaissent, mais... Pourquoi? Bon, allez, Rena. Ok, elle veut réfléchir, c'est sûr. Elle veut pas me parler non plus. C'est pas grave, on va aller voir Cube. Non mais à côté. Ah, j'ai pas fait gaffe. Arrête de lui parler. Bah non, je fais ce que je veux si je veux lui parler. Ça va pas ou quoi? Vous allez pas me donner des ordres comme ça, ça va pas? Vous êtes zinzin vous? Oh, c'est horrible. Un peignoir. Bah tiens, je vais le donner à Robert. C'est parfait. Et salut Lox, comment ça va? Ou alors tu le bloques dans un coin. Tu le bloques dans un coin. Ouais, j'avoue. Les coins aussi, mais c'est plus rapide en vrai si tu fais la technique du juste, bah tu te mets dessus et tu plonges.
Je vois à gauche. Ah oui, oui, oui. C'est parce que bah, c'est un coquillage estival, c'est que j'ai récupéré sur les plages. Oui, oui, c'est vrai, je les ai posés à ma gauche. Tu voudrais bien les faire à ma place? Oui, Kumi me donne une quête. J'apprécie. Salut Sydney, ça va être toi? Comment vas-tu? Hop, et c'est à qui? J'ai pas regardé. Zinzin, super, on y va. Rena, elle est en colère, la pauvre. Oh, Zinzin, il est chez lui, c'est perfect. Bon, je propose qu'on fasse d'une pierre deux coups et qu'on donne le truc à Zinzin et qu'on le récupère en même temps. C'est quoi ton numéro? Mais vous êtes Zinzin, vous, hein, c'est fou, hein. C'est quoi ton île? Mon île, c'est Akomun. Ils ont quoi de différent? Oh, c'est juste des coquillages saisonniers, Clara. Et tu peux faire des crafts avec... genre le tapis estival, etc. Ah, merci beaucoup, Sydney, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Fatiguée, toi? Moi, ça va, Locke, ça va. En vrai, j'étais fatiguée ce matin, mais là, ça va, je me suis bien réveillée. J'ai vu que t'avais rempli tous tes anneaux, là, fois 17 milliards. Salut Tessie, comment ça va? Grognasse, il me sort à chaque fois, je vais pleurer. Hein. Ah, trop cool, Ramen, c'est bien ça. C'est cool. J'allais courir ce matin avant d'aller au travail. Avant d'aller au travail, en plus. Oh là là, il y en a, ils sont déter ici. Hein. Ah, bon courage, hein, Kevin. On connaît ça, on connaît. Et salut Abir, comment ça va? Moi, ça va bien, merci. Allez, Zanzan, donne-moi un truc à faire. Il faut que je lui donne un cadeau. Attendez, je vais lui donner un cadeau. Avant d'oublier. Il va dire, oh, tu peux me laisser toute seule. Non. Non, t'es si. Ça va aujourd'hui, j'arrive bien à vous voir. Tiens, veste sur veste de sport. Ça va bien lui aller, tu penses? Moi, je pense pas. Je reviens sur Twitch. Tu fais bien, tu fais bien. Oh, bah parfait, c'est sa couleur. Ça lui va bien. Ça, ça slay. Premier cadeau qui matche bien. Non, deuxième avec celui de Rena. Ça, allez, Rena, sa petite robe. Ok, on peut me parler, je comprends, j'ai forcé. Je comprends, j'ai forcé. Allez, on va retourner voir Cube. Ah oui, on peut éviter les messages un peu auto-pub s'il vous plaît, mais si c'est pas le but, ça vous fait de la pub, c'est pas très cool pour moi, ça se fait pas trop de venir parler de vos contenus sur ma chaîne. C'est pas très legit quoi. Zinzin, il a un bandeau de grosses zinzines. T'as vu, ouais? Il slay en même temps. Bah du coup voilà. Toi c'est bon, je peux... Bah dors pas, tu fais du sport là, c'est pas le moment de s'endormir. Ok. Oh puis en plus ça fait Libère qui se ramène, super. Alors, on va déjà commencer par le cadeau. Là, le rouge, vraiment, c'est pas possible, Robert. Hein. Chemise nouée devant. Je crois que c'est lui qui me l'a donné. Ah, bah ça, ça lui va bien. Voilà, ça, ça matche bien. C'est vraiment pas du tout des tenues de sport que je leur ai donné pour faire leur truc, là, par contre. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Heureux Tessie! J'ai marre de connaître ça. Ouais, bah tu m'étonnes, Kevin, en même temps, la flemme. Tout arrêté. T'en es à combien de temps là de la fin de tes études? Clique et pense à autre chose, tu m'étonnes. Des fois, t'as vraiment envie de. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé une quête, mais quoi? Robert, JTM. Tu voulais quoi? Oh putain, mais encore! Il a un king avec les libellules, c'est pas possible, hein. C'est terrible, hein. Bon. En plus, elles sont galères à choper les libellules, là. Je n'aime pas trop ces insectes-là. Ils sont super rapides et tout. Je les aime pas. Voilà. Parfait, c'était rapide. Je te jure, merci Chloé pour ton follow et salut Dominique, comment ça va? Merci Massar aussi.
Je pète ma bière. Il l'a déjà fait tout à l'heure, Lolo. Il t'a devancé, Lox. Je suis so sorry, but... ouais, il t'a grave devancé, là. Il t'a devancé. Ah, Amanda, coucou. Zaoroa, ça slay. C'est beau, Amanda, comme prénom. Salut, Vanelza, comment ça va? Je m'appelle Lolo, maintenant. C'est Lolo qui a fait la blague tout à l'heure, non? C'est toi, Marvin, qui l'a fait? Ah, mais je croyais que c'est Lolo. My bad, désolé. J'ai pas fait gaffe au pseudo. Non, c'est moi, MDR. Pardon, pardon. Parce que vous avez la même couleur aussi, presque. Ça parle de moi, j'étais pas là. Bah ouais. Enfin, vous voyez pas la même couleur. Moi, je vois une couleur très proche. Je vous ai confondu. Bon, on avait Philibert qui était là. Je vais ranger le filet parce que je vais lui foutre un coup de filet dans la tronche, j'en suis sûre. Oh, il cavale, hein. Hop. C'est vraiment du verre. Bah, mais moi, Lolo, sur Twitch, je vois pas vraiment une différence entre vos deux pseudos. Genre, les couleurs, c'est pas les mêmes que vous avez mis officiellement, Marvin. Là, je le vois un vert un peu foncé, presque à la même couleur que toi. Et toi, il est vraiment très foncé sur le Twitch normal. Et Marvin, il est très clair. Mais moi, je vois genre une teinte. Allez, deux teintes de décalage. T'es un peu plus bleu que Marvin, toi. Et c'est tout. Du coup, j'ai confondu. My bad. Mais sinon, vous avez pas du tout la même couleur, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je pourrais plonger mon visage dans un bac de glace à la vanille. Non, à la menthe, c'est plus frais. Quel enfer. Salut, patate, comment ça va? Je suis dans le train. Oh, bah bon retour, alors. Je suppose que tu rentres chez toi. J'espère que ça a été ta journée, en tout cas. À cette heure-ci, là, purée, 18h30, quel enfer. Lala, est-ce que tu peux arrêter de spammer, s'il te plaît? Je t'ai déjà dit bonjour, etc. Et ça sert à rien que tu mettes plein d'émotes comme ça dans le chat. Est-ce que tu peux éviter de les spammer? C'est pas très agréable pour les autres. Salut, Gatwin! Bizarre, là, ces idées à Philibert. Non, mais toujours, hein, Philibert. Ah, faut que je donne un truc, attendez. Fin de l'année en licence en juillet, puis après le flou total. J'attends d'avoir un retour au master. Ouais, putain, c'est enfer. J'ai postulé, mais je sais pas si vraiment j'ai envie de continuer. J'ai l'impression que c'est mon père qui me pousse à continuer. Ouais, si t'as pas envie, en vrai, Kevin, franchement, si t'as pas l'envie. Et si tu te sens pas. Oh merde, je peux plus lui donner un truc. Si tu te sens pas de continuer, franchement, te force pas. Hein. C'est vrai que les parents, ils ont tendance à dire. Enfin, t'as tendance à avoir la pression des parents sur les études en mode bah ouais, mais je veux qu'ils soient fiers et tout. Ou même ils me poussent à faire ci, à faire ça. Si toi, tu veux pas et si tu peux plus, c'est pas la peine que tu te forces, tu vois. Si c'est pour te rendre malade et tout. Quitte à prendre une année sabbatique, entre guillemets, où tu fais un peu ta vie et à reprendre plus tard tes études ou quoi, tu vois. Il y avait une ligne en panne, c'était l'enfer sur la 1 et la... Oh là là, putain, en panne carrément. Ah ouais, ça doit être l'angoisse. Ça doit être l'angoisse, ça, j'avoue. Oh non, pas chier. Gros dodo, là. Je me suis endormie pour quoi faire? Bah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas pourquoi faire. Salut, Baba, comment ça va? Tu vas t'habiller en tenue de baseball. Fais voir. Je dis du vert. C'est moche. Horrible. Ça, ça va. T-shirt imprimé floral, c'est un truc qui est sympa. Ouais, ça va bien, va, merci. Merci, Franek, pour ton follow. Allez, on discute un peu. Maintenant que je t'ai fait un cadeau, tu peux me donner une quête. C'est les automatiques, en plus. Bah ouais, quel enfer. T'as un pari, en plus, quand t'as un truc comme ça en panne. Oh là, laisse tomber. Laisse tomber. Mais ouais, en vrai, du coup, pour revenir un peu sur ce que Kevin disait pour les études et tout, franchement, vous forcez pas à faire des études et à continuer dans des études qui vous... Enfin, pas forcément qui vous plaisent pas, mais si vous en pouvez plus, arrêtez ou faites une pause. Enfin, par exemple, là, Kevin, tu vois, tu finis la licence et après, c'est les masters. Au moins, tu valides la licence. C'est ce qu'il faut se dire, tu vois. En vrai, par exemple, t'aurais été... je sais pas, en deuxième année, tu voudrais arrêter. Bon, c'est un peu dommage parce que plus qu'un an après... Enfin, encore un an et t'avais tout le diplôme. Après, je sais pas si tu peux reprendre, tu vois, mais... c'est dommage parce que du coup, t'es presque à la fin. Mais après, même dans le cas où vraiment t'en peux plus, fais une pause. Tu reprendras plus tard, tu vois. Mais là, au moins, en plus, tu pars pas sans rien. Parce que là, t'auras la licence, donc c'est déjà bien, tu vois. Ça, c'est un bon point. C'est un bon point. Au moins, t'as ta sécurité, quoi.
T'es vraiment fatigué mentalement et physiquement après tous les événements cruels. Ouais, je me doute bien, ouais. Ça doit pas être facile, quoi. Là, tu dois être vraiment au bout du rouleau, quoi, mon pauvre. J'étais en L1, mais je me suis remonté en BTS. C'était pour ça que j'étais à Paris aujourd'hui. Ah, ok, du coup, t'étais en BTS aujourd'hui ou c'était genre juste une journée pour voir un peu d'adaptation? Salut Hugo, comment ça va? Bon, ben, l'année prochaine, t'inquiète, si franchement, le brevet, ils vous foutent vraiment. Ils nous avaient mis, moi, une pression dans mon collège de fou. Et pourtant, c'était pas si compliqué que ça. Bon, après, vous, c'est différent. Votre brevet, il est plus complexe. Mais franchement, vous inquiétez pas. Si vous travaillez bien toute l'année, si vous révisez bien au cours de l'année, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Si tu prends le temps de bien réviser les sujets, etc., il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. T'en es capable. Je sais que ça fait un peu peur parce que c'est le tout premier examen et ils te foutent une pression de fou pour ça. Mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Si tu révises pour, si tu fais tout pour, ça devrait bien se passer, faut pas s'inquiéter. Entre-temps avec l'école, ok. Et ça s'est bien passé du coup? Ça a été? Après ma licence, j'ai fait 3 ans d'études et j'ai repris un master du coup 3 ans après quand j'en avais envie. Bah t'as raison franchement. Franchement, de fou, moi j'ai une copine là, qui était en BTS avec moi. Elle avait un an de plus que moi et elle avait fait un an de licence avant de partir sur un BTS, donc sur le BTS où je l'ai connue. Là, elle a bossé, après le BTS, elle a bossé dans une boîte. Après cette boîte-là, elle avait été dans un autre endroit. Après, elle était au chômage, après, elle avait rebossé. Et là, elle se réoriente dans des études qui n'ont absolument rien à voir avec la communication, ce qu'on avait fait dans la com. Elle se réoriente dans l'optique. Elle va refaire un BTS. Elle a quoi? Elle a 26 ans, là. Enfin, elle va avoir, je sais plus. Mais elle va avoir 26 ans et elle se réoriente dans l'optique complètement pour changer de voie. Qui n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait, mais pour tester le truc, tu vois, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Tu peux très bien te même faire une pause de 10 ans dans les études et reprendre après, tu vois, tu fais comme tu veux, vraiment. Les études, c'est vraiment donné à tout le monde. Enfin, donné à tout le monde, ça dépend si c'est des trucs payants ou pas, mais... En globalité, tout le monde peut faire des études. J'ai 22 ans et je sais toujours pas quoi faire de ma vie. J'ai l'impression que rien ne me plaît. Je commence à en avoir marre, genre... j'aimerais tellement trouver ce que j'aime et être posée dans ma... Ouais, de vous, Vanelza. Après, tu vois, moi, maintenant, je me dis... J'ai fini mes études, j'ai fait 5 ans dans le domaine de la communication. J'ai travaillé pendant, on va dire, 3 ans, mais c'est pas 3 années complètes, mais 3 ans dans différents métiers en agence de communication. Et ça m'a tué, quoi. Je me demande si j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Et je me dis, en vrai, là, si je devais reprendre ma vie tous les jours sans avoir à bosser, enfin, si j'avais pas fait ce métier-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends des études? Est-ce que je fais un autre truc dans un métier qui me plairait un peu plus? Enfin, tiens, j'en suis là à me poser des questions, en mode, est-ce que j'aurais continué dans ce domaine-là? Est-ce que je me serais pas forcée à faire ça? Donc c'est normal, hein, en plus, t'as 22 ans, ça va, t'es encore jeune, t'as encore le temps de trouver. T'as encore plein de trucs à tester, puis il y a plein de métiers qu'on connaît pas non plus, hein. Il y a plein de métiers qu'on connaît pas, il y a plein d'activités qui nous plairaient mais qu'on n'a pas connaissance, tu vois aussi. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Vous êtes beaucoup, on est beaucoup dans ce cas-là, hein. Vraiment beaucoup, hein. Salut Célène, pourquoi t'as énervé Pachi? Je l'ai pas énervé, c'est juste que je lui ai trop parlé et je le parle pour avoir des quêtes. Salut Johan et merci Célène pour le follow. Merci beaucoup au follow. Plus qu'un an et je suis libre, j'ai payé des études. Je vous jure vraiment, j'ai hâte pour vous. Souvent je vous le dis, mais j'ai trop hâte pour vous, que vous finissiez vos études et que vous soyez genre libre. Moi, quand j'ai fini mes études, j'ai pas réalisé sur le moment à quel point j'étais libre, et quand vraiment je m'en suis rendu compte, j'ai pleuré de joie en mode j'ai fini, quoi. Je viens de passer 5 ans à braver un peu toutes mes peurs, tout ce que j'aurais pu endurer, enfin ce que j'aurais jamais pensé endurer dans ma vie, que ce soit en études, au niveau du stress, au niveau de ma vie perso, de tout, j'ai enduré tout durant ces 5 dernières années. Et pourtant, genre, j'ai fini mes études et ça m'enlève le plus gros poids de ma vie, quoi. C'est ouf, hein. Et j'ai hâte vraiment pour vous que vous ayez fini tout ça et que ce soit derrière vous et que vous soyez bien tranquille, que vous trouviez votre petit travail bien cool, un truc qui vous plaît bien, où vous êtes bien traité, où vous êtes bien payé. J'ai vraiment hâte pour vous, franchement. C'est le rêve de tout le monde, quoi. Donc j'espère que vous trouverez quelque chose de bien, j'espère que vous passerez, enfin, vous aurez un bel avenir, quoi, vraiment, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Et doutez pas de vous. Doutez pas de vous. Vraiment, oui. On a des crises émotionnelles depuis ces dernières semaines, puisque je tiens plus.
Enfin, si, grâce à mes trois amis restants, sinon, évidemment, je serais. Ouais, tu m'étonnes. En vrai, il y a des moments comme ça de ta vie, hein, Kevin, franchement, où il n'y a rien qui va. Et c'est horrible, genre, vraiment, tu te sens au plus bas et tout. Et une fois que tu as expulsé, entre guillemets, le truc qui te cause le plus de stress, donc là, en l'occurrence, j'ai l'impression que toi, c'est tes études actuellement, ce truc qui te coûte beaucoup de stress, à partir du moment où tu vas le dégager de ta vie, tu verras que ça ira déjà 6 fois mieux. Oh, je viens de faire 1000 maïs, là, juste pour ça. Ça slay. Genre, je te jure, tu vas vraiment, genre, te sentir tellement mieux une fois que tu auras jarté ça, quoi. Et il y a moi, 21 ans, zéro études, zéro envie d'en faire. Bah après, c'est pas, t'es pas obligé, vous êtes pas obligé de faire des études, hein. Si vous trouvez un truc ou un taf, ou peu importe une activité que vous faites et qui vous fasse kiffer et que vous arrivez à vivre de ça ou à vous en sortir avec ça, c'est super, quoi. C'est super. J'invite tellement les gens qui savent ce qu'ils veulent faire depuis tout petit. Ouais, je te jure, c'est fou, hein. Après, t'as les gens un peu dans un style où, par exemple, je sais pas, genre, tu te rends compte que tu veux faire médecine, enfin, tu veux être médecin depuis tout petit, tu fais médecine, t'arrives à, presque à la fin et tu te dis, non, je peux pas faire ça, genre, c'est pas ce qui me plaît, tu vois. Et t'as, dans ce cas-là aussi, hein, t'as les gens qui pensent savoir quoi faire et au final, ils sont là en mode, bah, en fait, pas du tout, je peux pas faire ça. C'est un peu terrible, hein. Moi, justement, j'aimerais reprendre en septembre, faire une formation pendant un an, bah, let's go, hein. C'est vrai qu'il y a pas forcément que les études, hein, y a les formations aussi. Les formations, ça peut être vraiment bénef, hein. Faut y penser, hein. Des fois ça dure 6 mois, des fois ça dure 1 an, des fois ça dure 2 ans en fonction de ce que c'est, mais ça peut être des trucs tout con auxquels vous n'aurez pas pensé et qui vous plairaient de fou. Hein. Faut pas avoir honte, hein, vous avez des formations, vous savez, sur le CPF, là, le truc de formation là, qui vous appelle tout le temps. Vous avez de l'argent de côté pour les formations que vous pouvez récupérer pour faire des formations, donc profitez-en, vous avez cotisé pour, etc. C'est bien en vrai. Salut Momiji, profitez des études, j'ai pas fait d'études et là je dois aller bosser à l'usine de nuit. Si j'avais su, j'aurais continué les études. Bah après Momiji, tu peux toujours reprendre les études, hein. Peu importe l'âge, hein, si vraiment tu sais ce que tu aimerais faire, tu peux toujours te dire bah vas-y fuck l'usine, là je démissionne et je reprends mes études. Tu bénéficies du coup d'un salaire étudiant, enfin d'un salaire, d'un... Tu bénéficierais d'un... comment on dit ça? D'un grade étudiant, je sais pas si c'est vraiment grade le terme. Après ça dépend de l'âge que t'as, parce que je crois qu'il y a des limites d'âge, etc. Mais t'aurais tous les avantages à être étudiant et en plus à faire des études, tu vois. Il n'y a pas de honte à reprendre bien bien tard les études, hein, sachez-le. Et depuis mes 18 ans, je veux faire un fac de médecine. Mais pour ça, il faut réussir à être sélectionné en examen d'entrée. Déjà 3 fois, j'ai réussi 2 fois, mais jamais sélectionné. Putain, l'enfer. Cette année, je vais essayer pour la dernière fois. Et si je réussis toujours pas, je continue ce que je fais maintenant, psychologie. Ça m'intéresse aussi, mais pas mon rêve qui est la médecine. Ouais, c'est clair, Léla. Je comprends la frustration, tu vois. Tu te dis, vas-y, tu testes et tout. Et au final, t'es à ça, puis ils te prennent pas, quoi. Putain, ça fout trop le mort. Surtout pour les trucs comme ça, médecine et tout, ils sont tellement sélectifs. Il y a tellement d'étudiants, genre, qui se retrouvent un peu au pied du mur, comme ça, où ils ont rien parce que, bah, ils ont pas été pris, parce qu'il y a d'autres qui ont été pris, quoi, à leur place. Salut Yann, comment ça va? Salut Urkos, salut Grèce, merci pour le follow. Les carpes, tu les as, merde, tu les as dans les étangs, Louise, les carpes. Mais après, si jamais, les là, après, il y a plein de domaines qui concernent la médecine. Alors là, t'es en psycho, ça a l'air sympa aussi. Mais il y a plein d'autres domaines qui concernent la médecine, mais c'est pas forcément genre le cursus pour être médecin aussi. Donc à voir s'il n'y a pas des trucs dans la médecine qui te plairaient, genre je sais pas, genre bosser en laboratoire ou des trucs comme ça. Je sais pas s'il faut passer par les mêmes cursus, tu vois. À voir ce qui te plaît le plus, hein. Salut Aurélie. Pour moi, j'ai fini mes études il n'y a pas si longtemps et je trouve que chercher du travail après ça, c'est horrible. J'ai galéré et là, j'ai juste un CDD. Ah, c'est un enfer, Aurélie. Hein. C'est vrai, après les études, trouver du taf, c'est un enfer. Hein. C'est un enfer, c'est vrai. Hein. Après, ça dépend dans quel domaine. Il y a des domaines où il y a énormément de postes vacants et t'as des domaines où justement, t'en as zéro, quoi. Genre en communication, on va trouver un poste. Moi, j'ai des copines qui cherchent un poste depuis la fin des études, hein, depuis... même bien avant, genre depuis juin, juillet, août, ça fait 1 mois que je cherche un taf. Hein. Je vais faire des crêpes plus tard. Bisous Linux, bon courage pour les crêpes. Bon courage pour les crêpes. Ah bah c'est bien alors, Batat, c'est bien. C'est cool ça. J'ai peur. Ouais, moi aussi Hugo, j'avais trop peur de bosser. Et en final, tu vois, tout ce qui était alternance, stage, ça m'a vraiment aidé à me mettre dans le monde du travail et un petit peu à voir comment c'était. Et à me dire que c'est sûr et certain, je veux pas bosser en agence de communication, tu vois. Et je sais, du coup, grâce à mon expérience de stage et tout, ce que je veux pas faire, en fait, tu vois. Donc d'un côté, c'est pratique. Après, ça te coûte rien de faire des... Je sais pas s'ils font des stages dans certaines boîtes, etc. Mais, ou des périodes d'essai, tu vois. C'est vrai que c'est galère parce que bon... Ah oui, toi, en plus, t'es prof, j'ai du mal à m'imaginer avec une classe de 20 mini-humains. Ok, ouais. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois, t'as un peu la pression. Après, faut...
Voilà, comme je te disais, genre je sais que Dolly, par exemple, elle fait des stages, parce qu'elle va être prof des écoles. Elle fait des stages, et ça lui permet de s'intégrer vraiment dedans. Donc limite à faire des stages, à demander d'être intégrée en tant que prof secondaire, tu vois, ou que ça, je sais pas comment ça peut fonctionner. C'est pas évident, les nouvelles choses, ça effraie tout le temps, hein. Comme dit Gatwin, elle a raison, hein. C'est toujours effrayant au début, puis après ça va. Faut s'y faire, quoi, faut s'y faire. Ah, super cher, ouais, de fou ramen, j'avoue, hein. J'ai arrêté à 16 ans, je suis barmaid, je kiffe. C'est compliqué, c'est de trouver un bon patron dans mon métier. Ouais, c'est vrai, j'avoue, Amandine, dans ce cas-là, ouais, j'avoue, putain. Surtout dans les bars et tout, c'est jamais évident. Seulement, il n'y avait que les études. Bah, après, déjà, les études, ça a l'air déjà un bon coup de stress, donc si t'as ça en moins, ça te fera déjà souffler un peu, quoi. Un minimum. Après, il y a tout le reste à régler, je sais pas quels sont tes soucis et je te demande pas non plus de les détailler parce que c'est des trucs qui sont très personnels pour toi, mais. Et voilà. Ma marque, Gragras, c'est une Apple Watch. Et salut, Fleur. Désolée pour toi, mais je lui ai répondu. Je savais ce que je voulais faire depuis toute petite, jusqu'à un énorme blocage à 17 ans. Donc tout peut arriver. J'ai des potes, elles ont trouvé leur voie tard et elles sont heureuses. Bah c'est ça, après chacun est comme il est, tu vois. Faut pas que vous ayez honte, genre, d'avoir peur ou de vous réorienter, de reprendre des études, d'aller bosser, de... N'ayez vraiment pas honte, genre. C'est pour vous que vous vivez, hein. C'est le plus important de vous dire que vous vivez pour vous et que voilà, hein. Faut payer avoir accès au CPF. Faut payer maintenant? C'est une blague ou quoi? Statut... Ouais, c'est ça que je cherchais, putain, Picarine, j'ai galéré. Bon, je trouve pas Clara, tant pis, on va têter, hein, ça me saoule. On a eu 3 quêtes quand même aujourd'hui, c'est bien. Ouais, c'est 3. Hein. J'ai du retard dans le chat, j'ai 30 messages en retard, je suis désolée. Hop. Je suis à l'aube de mes 40 ans. Ouais, donc je sais pas si tu pourras bénéficier du statut étudiant le même, mais tu peux toujours reprendre tes études, hein. Tu peux toujours, je sais que ça paraît un peu lunaire, tu vois, quand on dit ça. Mais moi, j'étais en études avec des personnes qui avaient 35 ans, je crois, 35, 36 ans, la personne elle avait, je crois. Et pourtant, enfin, tu vois, une fois que la personne est intégrée dans la classe, c'est un étudiant comme les autres, tu vois. Mon père, il était étudiant à 48 ans. 47 ans, un truc comme ça, il était étudiant. Donc, tu peux tout faire, hein. Tout est possible. J'ai pas compris le jeu... Comment ça, t'as pas compris le jeu Animal Crossing? Salut Magnon, comment ça va? Ma sœur a pris le jeu... Elle veut pas me le rendre. Bah attends qu'elle ait fini avec et puis elle te le redonnera après. Ou sinon demande à tes parents. Voilà. Attends, j'ai tout loupé. Je veux devenir architecte et j'ai réussi à lâcher. Oh, c'est trop cool Zoé, c'est bien. Vous orientez au lycée, y a aucun souci, j'ai fait 5 ans de lycée en tout. Ouais, de fou aussi, hein, patate, c'est bien de le dire. Hein. Merci Tutu pour le follow. Oh, let's go May, trop bien. Trop bien, tu l'as eu, c'est parfait. Et salut Shaima, comment ça va? Let's go, mais c'est une bonne news ça aussi. J'ai grave peur de faire des études pour un truc que finalement me plaît pas et d'avoir perdu. Ouais, ça je comprends grave la peur là. Bah moi tu vois par exemple ma copine qui s'est orientée, je pense pas non plus qu'elle pense ça. En vrai tu vois faire des études dans un truc, ça te fait grandir d'un côté parce que tu as appris des choses. Donc tu fais pas des études inutilement, tu vois. Tu les fais même si c'est pas dans le domaine que tu veux te lancer plus tard, au moins t'auras acquis des connaissances. Donc t'auras pas fait ça pour rien. Mais je vois le fait que... Enfin, ce que tu veux dire par perdre des années. Je comprends le sentiment, tu vois. T'as l'impression d'un peu avoir passé, je sais pas, tu fais un BTS, tu fais 2 ans pour rien, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas pour rien non plus parce que t'as appris des choses intéressantes. T'as quand même appris quelque chose. Je suis dans le domaine artistique, je suis costumière. Oh, stylé ça! Et sans réseau, c'est hyper galère. Tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Bisous, Victoire. Amuse-toi bien la danse. Et salut, Neliex, comment ça va? Attends, j'ai pas galéré aujourd'hui. Chez Motion Design, la filière, le boulot est bouché de boucher. Ah, mais c'est clair. Il y a beaucoup plus d'alternance que de CDI. Je croise les doigts pour être en CDI dans mon alternance. Ah, vraiment, j'espère pour toi, hein. Attends, le motion et tout, c'est galère. Après, bon, ça, le motion, c'est pas tout le monde qui est capable de faire du bon taf, hein. Donc, si toi, tu sais faire des trucs de fou, y a pas de raison qu'ils te gardent pas, franchement. Et j'espère pour toi qu'ils te garderont. C'est trop cool, en vrai, s'ils peuvent te garder. En plus, ça a été leur alternante, donc voilà quoi. Salut Elsan, comment ça va? Et salut Sandrine. Enfin, re du coup. Ça me tue parce que je suis vraiment la fille étrange qui est maquilleuse de poupées. Oh, c'est stylé en vrai, qui écrit des romans, qui va être prof de dessin, manga pour petit. C'est cool en vrai, Jiwa. Ben non, c'est pas étrange. C'est des domaines bien précis, mais tu sais ce que tu veux faire, tu vois, c'est déjà bien. Savoir ce que tu veux, c'est un pas vers l'avant. Au moins, tu sais... Oh, pas chier.
Tu sais ce que tu veux. Ils ont serviette de bain rose là. Emma, il me saoule. C'est AP, bah provisité, voilà. Ah ouais, t'as fait plein de trucs différents en vrai, patate. Ah, je cherchais pas ça, désolé. Ah, Fungi, trop cool, tu t'es rename, trop bien. Stylé ce pseudo-là. Ah, salut Sine. C'est fou de voir autant de personnes dans ce cas. Perso, j'ai adoré mes études, c'était le moment le plus chill. Et maintenant, j'ai mon travail, ma vie est stressante. Ah, c'est vrai, ouais, bah aussi dans un sens comme dans l'autre. Hein. On a fait pas mal, on a passé les 200 chez Emma. Attends, je vais regarder. On a fait quand même quelques-unes, on a fait une petite dizaine là, je pense. Après, on n'a pas beaucoup joué aujourd'hui sur... On a fait quoi? On a fait 2 jours. On en a fait 9 là, actuellement. Ça avance. Salut Lou, comment ça va? Ouais, je suis archi en retard sur les messages. J'ai 4 minutes de retard, je suis désolée. Je suis considérée comme étudiante avec ma carte, c'est marrant. Ouais, de fou, wifi, mais c'est bien en vrai. J'ai 32 ans, mais c'est cool. C'est bien que vous vous laissez pas abattre par l'âge ou quoi pour les études. Franchement, il n'y a pas d'âge pour les études. Hein. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, mais c'est juste parce que c'est le parcours entre guillemets logique. Tu vois, tu finis le lycée, bah tu continues dans les études. Quoi. Mais il n'y a pas de honte à reprendre les études plus tard. Hein. N'ayez pas honte. Faut les enfants, parce qu'ils sont bêtes, Smarties. Là, je suis en pleine hésitation à soit rester dans l'entreprise où je suis, en stage en ce moment. Je suis HS22 chez Cash Express. Ok. On va me reprendre mes études de communication. Ça veut dire que je dois prendre un appartement. Ça me fait super peur. J'ai pas les sous. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Vanelza. Après, ça te coûte rien, tu vois, de rester si la boîte te prend ou t'es en stage. S'ils te prennent, genre, je sais pas s'ils te prennent en CDI ou quoi. Enfin, je sais pas, je connais pas ta situation. Mais s'ils te prennent, tu peux rester un petit moment, mettre de côté. Et après, tu vois, reprendre tes études. Hein. Tu peux reprendre plus tard. Salut, Kig! Faut vraiment pas que vous vous disiez que vous perdez du temps, genre... C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir tout faire d'une traite, qui a le budget, qui sait ce qu'il veut faire, etc. Et c'est pas grave, hein. Salut Juliette! J'ai fait un CAP dans la restauration, j'ai détesté, mais ça m'a pas servi à rien. Bah tu vois, d'un côté c'est bien, t'as appris quelque chose aussi. Dans les trucs comme ça, restauration et tout, t'apprends plein de trucs, c'est bien, hein. Et Lou, du coup, les carpes sont dans les étangs. Désolée, hein, je suis en train de vous lire. Je suis en pleine orientation professionnelle et je peux vous donner un conseil, c'est faites des stages. Comme ça, vous saurez avant de vous lancer dans une formation si ça vous plaît. Exactement, les stages, franchement, ça fait peur, mais c'est incroyable. Mais là, vous entendez, je me rends compte à quel point il y a tellement de secteurs archi-bouchés. Ouais, vraiment, hein. Parce que dans l'édition de livres, c'est la... Ah, mais c'est ça, c'est sûr, hein. Franchement, surtout si tu veux pas aller à Paris, vraiment. L'édition, tous les trucs de com comme ça, tous les trucs comme ça, c'est bouché au possible, hein. Péter mon crâne sur After parce que j'ai 2 motions à rendre demain. Oh putain, Marvin, bon courage. Quel enfer. Faut arrêter que cette tenue, j'en peux plus. Hein. Il est terrifiant comme ça. Quand je sors, je fais comme travail vraiment. Oh, et de fou, putain, c'est vrai ça par contre. Je me dis, c'est cool en vrai. J'aime bien ton pseudo, il est bien. J'ai un temps BTS com, ça va être marrant. Bah, ça peut être cool, Lolo, tu peux apprendre plein de trucs en vrai. Par contre, il faudra un ordi. Hein. Si jamais. Non, je fais plus du tout de live visit, j'ai arrêté complètement d'en faire. J'en faisais avant, tous les dimanches, mais j'ai arrêté. Il est en train de visiter 70 mètres là. Ah putain, elle a vraiment visité les coins de la pièce quoi. Elle a regardé sous les plantes et tout quoi. C'est terrible, fluff. Salut Colin, il me reste Aider son prochain et Chaîne de Miles. C'est les 2 dernières qui me restent. En parlant d'études, je dois faire mes choix SP pour l'année prochaine. Le délai il y a 2 semaines et rien me plaît à part SP qui on est. On se l'a ici pas ou pas les sauts coquettes. Ça slide de fou, Jachuka, ça slide. Désolée, je suis en retard dans le chat. Parcours, chacun, ça reste sur les études, pas les études, à 20 ans. Ouais, vraiment, il y a tout. Hein. Il n'y a pas de mauvais chemin, en fait. C'est chacun fait son propre chemin. C'est ça qui est intéressant. Salut, Serial, merci pour le follow. Ah, ça y est, je suis redescendue tout en bas. Et bisous, Flower. Bisous, bisous. Bisous, Zoé. J'y serai à Noël, ouais, t'inquiète. J'ai que 27 ans, mais j'ai déjà remarqué qu'on rentre dans la vie active et qu'on trouve un métier, finalement, on se dit que rien ne pressait. De kiffer et prendre. Ouais, vraiment, je te jure, hein, Rosanna, c'est ouf. Hein. Mais on slay de fou, Shizuka, bien sûr qu'on slay. Attends. Y a intérêt... Ah bah, franchement, là, l'intérêt est de fou, tu m'étonnes. Ah, c'est l'heure du burial. Bien dit le chat. Imagine, elle la prend pas, ça y est, elle. Slay. J'ai failli louper le burial, c'est fou, hein. Et mon gars, je suis obligée de rester chez eux, mais c'est 26 semaines. Et du coup, ça veut dire que je vais rater la rentrée de septembre. Ah ouais. Pourquoi 26 semaines? C'est quoi le truc qui t'engage à rester 26 semaines? C'est genre, ils veulent te faire signer un CDD? Ah
Après, ça dépend, Vanelza. Ça dépend parce que, par exemple, moi, c'est en, je crois, novembre, donc 2 mois après la rentrée, il y avait quelqu'un en BTS qui nous a rejoint en BTS après 2 mois. Donc après, si tu peux t'organiser avec, avec les études, etc., si tu trouves quelque chose. Hein. Il y a des trucs où tu arriveras, oui, en retard par rapport à d'autres, mais tu pourras rattraper, te démerder pour rattraper les 2 mois. Mais ça veut pas dire que c'est archi fermé, etc. C'est un peu particulier parce qu'il faut faire un peu les démarches nécessaires pour demander de faire malgré le fait que tu sois, enfin, que tu seras en retard, etc. Tu vois ce que je veux dire ? On m'a toujours demandé si je n'avais pas peur. Pourquoi je suis partie de Pachi ? Il fallait que je force avec lui. Si j'avais pas peur de reprendre mes études à mon âge, et personne, non. Je suis en pleine validation de mon projet pro, et en plus. Et je sais plus ou moins ce que je vais faire. Mais c'est bien, Abir, c'est bien. Bisous Gatwin, merci d'être passé. C'est l'inverse pour moi, j'ai plein de spécialités qui me plairaient pour l'année prochaine, il faut choisir 3. T'as quoi comme spécialité qui te plairait bien? C'est quoi les spécialités que vous devez choisir? Ouais, j'avais pas vu non plus Fluff depuis un moment, et j'en ai vu, enfin j'en avais jamais vu, alors que je les voyais quand, tu sais, genre, bah, les copains me faisaient des partages d'écran, etc. J'en avais jamais, et là, depuis récemment, j'en ai eu quelques-unes, ouais, aussi. Ça m'a fait bizarre. Ah, mais serviette de bain, ouais, pas chier, hein. Mais y'a rien dessus, j'adouce sur mon île, c'est gentil mais de vouloir être gentil, hein, mais mon île elle est vide quoi, donc y'a rien dessus. Là je peux pas valider ce que tu dis quoi, y'a juste rien. Vas-y, je donne ça, Pachi. Ah c'est bon, je vous ai tous rattrapés, hein. Désolé, j'ai speedé là, mais... Salut Nico, comment ça va? Ça c'est pour l'année prochaine, du coup j'ai une petite idée. Tu veux faire quoi Tessie? C'est trop cool en vrai. Non Fleur, j'ai pas d'idée de déco. Oh, ça lui va bien! Il est mignon. Ouais, ça va bien, Nico! T'es pas rattrapé? Blablabla! T'as, il est 19h là! Ah ouais! Ça se lie ici! On avance beaucoup, hein! On avance beaucoup là. Enfin, le temps passe. Et je propose qu'on fasse cette journée. Il nous a couru après pour nous rattraper, je te jure, j'ai cavalé là! Hein. J'ai cavalé! C'est Nia qui te ment en disant qu'il est 19h avant. Ah bah my bad alors. Il est 17h, reste là. Ok, ça va, il est 17h alors. Bois de l'eau. Pachi, il est paresseux. Merci chocolaté. Coco latte, pardon. Ah merde, il peut plus me parler. Ah merci, ça m'hydratait parce que j'ai trop parlé, j'ai tout balancé. Toujours pas fait mes devoirs. Oh my god, Flink. Ça va pas ou quoi? Faut faire ses devoirs en fait. De la déco, Smarties, quand j'aurai tout fini. Ah, Rena, je voulais lui donner un truc aussi. Elle est très mimi dans cette petite tenue, avec sa glace qui fait vraiment 6 fois la taille de son bras. Je l'adore. Qu'est-ce que je lui donne? Un peignoir. Ça lui va bien, non? Ouais, écoute, Nico, ça va, on a fait genre... on a fait 10 quêtes, à peu près. Ça lui va bien. Ça lui va superbement bien. On a fait à peu près 10 quêtes, on a passé les 200... Et on a un peu décoré tout à l'heure sur Mirabelle, mais c'est pas très productif aujourd'hui ce qu'on a fait, j'avoue. J'ai l'impression de pas trop avoir avancé. À la fois sur ça, parce qu'on fait pas longtemps, et à la fois sur Mirabelle. Mais on avance un peu, mais pas autant. Il faut que je refasse des objets. Vas-y, donne-moi l'objet, je vais donner à Clara. Putain, la chance, franchement, les meufs qui s'appellent Clara, vous avez un habitant trop belle à votre nom. J'ai trop de chance. Par contre, les Polito et les Blair, je suis so sorry pour vous. Vraiment, je suis désolée, quoi. Dis-moi qu'elle est chez elle. Et elle est chez elle. Tu peux changer de pseudo, je mets quoi? Tu peux mettre Nico, le plus beau de la Terre entière. Je pense que ça passerait trop bien. Salut, Ems. Merci pour le follow. Non, j'ai pas fait de vidéo pour les entrées. En fait, Fleur, j'ai pas fait beaucoup de tutos de déco comme ça. Je fais vraiment les tutos de déco par rapport à ce que moi, je fais. Mais si jamais pour les entrées de ville, je crois qu'il y a Alouaï, si jamais tu veux, sur YouTube, qui a fait des vidéos sur les entrées d'île et tout. Ah ouais, les 100 poissons, il est pas évident, Orcos. Hein. Il est pas évident. Nico poop. Oh non, Nico caca. Pas mal. C'est compliqué avec le stage, c'est qu'il faut une lettre de motivation en plus ces années. Il y a plein de troisièmes qui m'ont demandé pour aller là où je veux. Ah, avec une autre personne. Ah, ok. Ouais, ça va être compliqué, quoi. Salut Brigitte, comment ça va? Salut Roctali! Enfin, rentrer chez moi, ça slay! Putain, après une longue journée comme ça. Ça passe, je sais pas, c'est peut-être un peu long, je pense. Nicoquette! Oh, pitié, appelle-toi Nicoquette! Oh, par pitié! Ce serait trop bien.
C'est trop chiant. Je trouve que c'est vraiment le pire truc, les lettres de motivation. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Je vous jure, je comprends pas pourquoi ils demandent encore ça. Genre, c'est tellement peu intéressant, les lettres de motivation. Enfin, tout le monde fait un copier-coller, genre... Pour les 100 poissons, si on pêche avec une conserve ou une botte, ça casse la chaîne, j'espère pas. Non, je crois que ça compte pas comme un poisson. Je crois que ça compte pas dedans. Ni Coca Coquette. Oh, ce serait super. Si tu veux absolument t'appeler ni Coca, bah ni Coca Coquette, moi j'aime bien. J'aime bien. Ni Coquette, je trouve ça plus court et plus slay. Mais si tu veux ni Coca Coquette, bah voilà. Fais-toi, fais ta vie quoi. Aujourd'hui, on a fait un petit peu de déco sur mon île Mirabelle et là, on est sur le 100% sur Altea. Sur Akomon. Altea n'existe plus. La lettre de motif, c'est horrible en mode moi je, vraiment, je suis la baisse, prenez-moi, je jure. Salut Valentine. Tu serais recruteur, tu. Non, je lirai clairement pas la lettre, honnêtement. Honnêtement, non. Oh merde, elle veut plus me parler. T'es so méchante. Bref, un petit point. Elle a tout cassé ma déco. Pour être à fond dans les entretiens en ce moment, on m'a souvent félicité d'avoir fait une lettre de motif car les gens le font de moins en moins. Ah ouais? Encore des boîtes qui aiment bien, ouais. C'est vrai, bon après c'est toujours un plus une lettre de motivation, ça c'est sûr. Mais bon, enfin... Regardez, je suis super motivée à travailler, enfin c'est ça quoi le truc, tu vois, c'est pas... Je me rappelle en avoir écrit, c'était un moment de super stress aussi là. Oh. Bah. Nico so coquette. Et tu mets des majuscules. Comme ça, ça coupe. Cube, c'est le 3. Ah ouais, cool. On va chez moi ou chez lui, là. Je sais pas quoi, mais hop. Je me mouche. Attendez, j'arrive. Oh non, Abir, c'est terrible. Abir qui dit, pour avoir fait des stages dans l'administration, sachez qu'elles ne sont en partie jamais lues et restent une semaine en coin de bureau pour finir à la poubelle. C'est terrible. Ah, Cube, il est trop mimi. Moi, je l'adore, Cube. Il est trop chou. Bon, maintenant que t'es venu chez moi, faut qu'on fasse la déco de ma maison. C'est pas possible. Je pense que la prochaine fois, on fera de la déco dans ma maison. On a refait toute celle des habitants. J'ai bien envie de refaire la mienne. Ah oui, de fou, Midona, franchement. Enfin, il n'y a plus rien de personnel. Tu demandes à ChatGPT de faire ta lettre. Tu l'as fait en deux, hein. Pourquoi? Et surtout que la personne n'aura jamais de réponse même négative. Oui, vraiment. C'est juste un plus pour montrer comment t'es plus motivé que quelqu'un d'autre, quoi. Les couleurs d'un perroquet. Un peu, ouais, j'avoue. Changer de sauver les quoi, il reste 30 jours pour le changer, c'est énervant. Bah après tu veux mettre quoi Tessie toi? Pachy on l'a fait. Pachy on l'a saoulé même. Robert on l'a fait Robert. Robert non on va le faire. C'est pour toi. C'est quoi l'autre tenue là? Veste de sport à carreaux, vas-y. Dis-moi que c'est une couleur au moins qui va avec lui, quoi. Horrible sur lui, mais ok. Ça lui va pas le bordeaux. Hein. 50! Ah ouais! Bon courage, hein, May, pour les 50 derniers. C'est des poissons de quelle saison qui te manquent? Pas très beau, non? Je vais carrément regarder Zorua. Le petit chat en photo sur le serveur. Bien sûr que je vais regarder. Oh mignon. Il est trop mimi avec ses petites pattes blanches là. Il est adorable. Trop mimi. Les patounes. Vous avez grave parlé dans le Discord. Punaise. Ça parle, ça parle.
Oh, c'est dimanche, let's go. Tu nous rediras, comme ça on fêtera ton anniv. Hein. Je m'appelais Tesla Star. Tesla Star? Ah oui, Tesla, c'est ça? Ou rien à voir? Ou juste Tess, la star, quoi. Oups. Je me suis jeté le truc dessus. Petit chat. J'aimerais bien avoir un chat, en vrai. Avoir un petit pote à la maison. Bisous, Picarine. Bon appétit. On va pas trop tarder non plus. On va finir juste les habitants du jour. Toutes les saisons, quel enfer. Bon courage, alors. Ah, d'ailleurs, je stream pas samedi. Je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, mais je ne stream pas samedi, finalement. Mes parents viennent me voir pour la fête des mères et tout, donc je ne stream pas samedi. Tu t'en souviens plus? Non, je m'en souviens plus. Ah oui, parce que tout le monde dit que t'es une star. Ah ouais, vas-y, vas-y, moi ça me va. Rena, c'est bon, il me faudrait Marine. Salut Quentin, comment ça va? Voilà, donc je ne stream pas samedi, faudrait que je prévienne... Enfin, samedi ou dimanche, ou peut-être les deux, je sais pas, faut que je vois. Mais normalement, c'est juste samedi. Clara, non. Mais personne, en fait. Qu'est-ce que j'aime pas, ces fêtes? Bon, pff, c'est des fêtes random, quoi. Puis on l'a fait. Juste mon père, il m'avait envoyé un message hier, et il me dit, oui, c'est la fête des mères ce week-end, tu rentres à la maison ou pas? Du coup, j'ai dit, bah, j'ai pas prévu de rentrer, mais vous avez qu'à venir, tu vois. Ça me dérange pas si vous venez, j'annule le live, et puis voilà, tu vois. Parce que si je pars, bah, j'en ai pour au moins 2 jours où je suis pas là, et ça me fait 2 jours où je bosse pas. Du coup, là, ils vont venir me voir. Puis voilà, on va faire. On va se balader un petit peu, etc., etc. Oh non, Joseph. Tu dors comme ça au pied du bambou. T'es trop mignon, toi. Oh non. Il était en train de pêcher. Que tu l'aimes, je l'adore. Un jour dans l'année, faut dire à ta mère que tu l'aimes. Genre, c'est grave. Oui, vraiment, après, c'est pas le jour où tu dis à ta mère que tu l'aimes. Commercial comme la Saint-Valentin, Lolo. Hein. Avec TikTok, je sais qui a dit, mais quand on a fait ça, je sais pas qui a... Comme ça. Bah, Slay alors. Slay, après, je sais pas, c'est peut-être déjà pris Tesla Star. Faudrait que tu mettes les majuscules, comme ça on verra bien. Respirer par la narine gauche ou droite. Oh my god, Nico Coquette en fait. Nico Coquette, oh my god, j'avais pas vu. Moi, je préfère respirer par la narine. Gauche. La narine droite, elle est bouchée tout le temps. En fait, moi, j'ai tout le temps une narine de bouchée. Fonction de comment je suis, genre si je suis allongée comme ça, c'est celle-là qui va être bouchée. Si je suis allongée comme ça, c'est celle-là qui va être bouchée. Constamment, j'ai une narine bouchée. Là, c'est celle-là qui respire. Ce sera peut-être celle-là dans 10 minutes. Ouais, je vois, Zoruya, il y a des gens, ils sont si pudiques comme ça, moi de même. Hein. Ah putain, je vais lui donner un cadeau, je sais. C'est comme ça, il y a des familles où il n'y a pas de je t'aime qui traîne, genre c'est tellement rare. Et puis t'as des familles où c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tout le temps. Putain, avec son peignoir. On respire toujours avec une narine à la fois, c'est vrai? Oh. J'aime pas. Oh, des bardeurs brodés de sequins, tiens, ça ira bien à toi, je pense. Terrible. Ah, c'est le truc avec les bisous, là. Débardeur à bisous. Moi, je dis pas je t'aime, mais on se sait. Ouais, c'est ça, tu vois. Des fois, il y a des familles où t'as pas besoin de dire je t'aime à tes parents. Ils savent que tu les aimes, tu vois. Puis t'as des familles où t'es pas élevé comme ça. Genre, t'es pas élevé dans une dose d'amour constante, genre... Genre, par exemple, t'as des familles où t'as les parents, bah, déjà, ils sont séparés, donc forcément, tous les gestes d'affection, etc., bah, ça a jamais été trop là, enfin, ou... Voilà, tu vois, par exemple, ne serait-ce que voir tes parents se faire des bisous, des câlins, etc., se dire je t'aime et tout, moi, c'était assez rare, en vrai, quand j'étais petite, hein. Tu sais, tu grandis comme ça, donc voilà. Tu les vois quand même se faire des bisous pour se dire bonjour, mais c'est tout, quoi, enfin, genre, c'est un vieux smack, et basta.
J'ai jamais entendu dire mes parents. J'ai jamais entendu mes parents se dire je t'aime. Hein. Jamais de la vie je les ai entendus dire je t'aime. Hein. En 24 ans d'existence. Jamais, jamais. C'est vrai ça. Je leur dirai quand je vais les voir là. Je vais les appeler après. Tu vous êtes jamais dit je t'aime ou quoi, genre. Je sais pas, tu vois, à tout moment, t'as des gens justement dans le chat où à l'inverse complet, genre les parents, c'est tout le temps en mode. Ils disent tout le temps qu'ils s'aiment, c'est vraiment ils s'aiment. Et ça se voit de fou, tu vois. Il y a des parents comme ça, des fois, je vois des TikTok passer en mode. Mes parents amoureux, genre depuis 25 ans, tu vois, genre depuis 30 ans, et tu vois, genre deux parents qui s'aiment. Enfin, c'est adorable, genre, c'est trop mimi. Ou même de voir un couple de petits vieux, tu vois, genre de papy ou mamie qui sont là, qui sont main dans la main, qui pensent à acheter le pain de l'un, le pain de l'autre. Qui pense à prendre un petit croissant et un petit pain au chocolat à la boulangerie pour ramener. Oh, c'est adorable ça. Qui pense à ramener des petits bouquets de fleurs, des trucs trop mimi comme ça. Moi aussi je m'aime. Nico, c'est pas coquette pour rien ça, moi je te le dis. Moi c'est le monde des bisounours et câlins. Bah c'est trop bien Valentine. T'as une dose d'amour, c'est bien. C'est incroyable les familles comme ça, c'est trop cool. Et il me reste Philibert, Zinzin. Bah Zinzin, il est là. Zinzin et Caro. Oui, c'est ça, Smarties. C'est pas parce qu'ils le disent pas et qu'ils te l'ont jamais dit que ça veut dire même qu'ils t'aiment pas ou quoi. C'est juste, bah, je sais pas, il y a des familles où ça se montre pas comme ça, tu vois. Je suis pas coquette pour rien, de fou. Il y a des familles comme ça, hein, c'est normal, hein, y a pas à s'inquiéter, y a pas à leur en vouloir ou quoi. Hein. J'étais tellement pas habituée à l'amour que j'ai été choquée. Alors, mon premier amour choqué qui s'est excusé. Quelque chose de mal et choqué. Petite chose bête, c'est vrai. Mais bon, après, ça arrive aussi. Oh là là, quelle horreur. Surtout pour les caca, les brins caca là. Ça arrive, hein, Tini. Hein. Tini, je crois que c'est Tini. Et les parents plus pudiques. Oh oui, de fou, Jewa. Mes parents, je pense qu'ils sont un peu plus pudiques en vrai. Ah, cool, Noémie, ça. Trop bien. Trop, trop cool. C'est bien. Ça, j'ose pas aller courir dehors. J'ai l'impression de pas savoir courir. Du coup, ça me stresse et du coup, j'ai pas envie de courir. Non, mon pudique, ouais, il est un peu dégueu. Mon pudique, je l'aime pas non plus, j'avoue. Viens courir avec moi. Non, merci. J'arrive pas à courir, ma gorge elle se serre et au point où je pourrais vomir. Je sais pas courir. J'en avais déjà parlé de ça. Parce qu'à la salle avant, j'avais des tapis de course, donc je courais. Et je commençais à trottiner, etc. Et j'essayais de courir pour reprendre un peu. Je m'étouffais littéralement dans ma gorge. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça me faisait une douleur extrême dans la gorge au point où genre fallait que je m'arrête et j'avais l'impression que j'allais cracher tout ce que j'avais dans mon ventre, genre j'allais cracher mes poumons quoi. Horrible. Et ça me faisait mal, ça me brûlait, genre ça me... Horrible. Non parce que je vais jamais chez le médecin en lox. Mais il y avait des gens qui m'ont dit dans le chat quand j'en avais parlé à l'époque que eux aussi ils avaient ça. Et c'est apparemment parce que du coup genre... Tu respires par la bouche, je sais pas quoi. Zinzin, c'est non. Et il nous reste Philibert et Caro, toujours. Non, je suis pas asthmatique parce que j'avais fait un diag chez le médecin. Et c'est vraiment juste au niveau de la gorge, c'est pas des poumons. C'est vraiment genre la gorge, en fait, genre tout l'air qui rentre est irritant. Et ça me brûle. Et ça gonfle, genre dans ma gorge, ça gonfle, au point où j'ai l'impression de plus pouvoir respirer. Je suis obligée de m'arrêter et j'ai mal, ça me tire, ça fait genre des douleurs en mode tff, 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 comme ça dans la gorge, genre. C'est horrible. Dites-vous que moi j'oublie de respirer quand je fais du sport, ça va pas ou quoi? Faut respirer en fait. Et il y a des gens qui m'avaient dit que ça leur arrivait aussi, que c'était archi normal. Donc moi je me suis dit, ok, c'est normal alors. Je saurais même pas te décrire la sensation, mais genre, tu sais. Ça me donne envie de cracher et de cracher des gros glaires, genre. Et pourtant, il n'y a pas de glaire. Mais c'est comme la sensation, vous savez, quand vous avez un gros glaire. Et j'ai la même chose, mais sauf que je crache pas de glaire. Et c'est horrible, c'est dégueulasse. Genre, je suis désolée, le mot glaire, il me dégoûte un peu. Respirer, hein, Inostag, il a fini l'Everest. Mais ça, c'est vrai ou pas qu'il a fini? Parce que c'est pas vraiment des vraies infos. Moi, je vais clairement oublier Lox, j'en suis sûre, de lui en parler. Mais il faudrait en vrai. Je suis très vite essoufflée, c'est vrai. J'avoue, bah en vrai.
Moi déjà, à savoir que je ne respire pas par le nez. Et je ne respire que par la bouche. Parce que mon nez est constamment bouché d'un côté. Et du coup, j'ai l'impression que de m'étouffer quand je respire par le nez. Genre, j'ai pas assez d'air qui rentre. C'est horrible, j'ai pas assez d'air qui rentre dans mon nez. Du coup, je peux pas. Je crois qu'il y a une info, aucune info véridique. Bah ouais. Il doit descendre là. Il paraît que ma cage thoracique est assez petite. C'est possible en vrai. Hein. J'ai faim d'air. Je me sens mieux maintenant que j'aspirais. Je lui vole de l'air. Je prends l'air d'Inoxtag. Pauvre. En vrai, ça me fait un peu de peine, genre toutes les personnes, genre un peu type influenceurs qui se font du buzz sur le dos d'Inox pendant qu'ils montent les vrais sur... C'est un peu triste. Publié, réel, il n'y a aucune info qui était vraie. Ouais, de fou, hein. Ça a du mal à respirer, arrête. Bon, je trouve pas les habitants, écoutez, tant pis, hein. Ah oui. Mais après tu meurs. Ah non. Tu respires avant. Puis après t'arrêtes. Puis après tu respires un peu quand même en scred en mode. Ce bruit d'aspiration d'air. Pourquoi? Pour Inox. Comme quoi il a fini de monter. On sait pas en fait. En fait vous savez pourquoi c'est parti de quoi ça? Je crois que c'est parti du fait que genre il y a des mecs qui se fassent passer pour Matisse, je sais pas quoi, c'est le mec qui monte avec lui. Parce que lui, d'après ce que j'ai... Enfin, j'ai pas compris, mais genre, je crois qu'il y a des gens qui se font passer pour lui en mettant des photos d'Inox, genre en mode, ouais, regarde, on en est là et tout, alors que c'est pas des vraies photos actuelles, tu vois. Les gens sont trop impatients, ils inventent grave une vie et tout. Ouais, Matisse Dumas, c'est ça. Oui, mais Shaima, c'est... Vous savez, les trucs genre Serfa, etc., là, sur Twitter. C'est des faux comptes, ça. Enfin, vous savez très bien que c'est pas des vraies infos, hein. Vous savez très bien que tous les comptes Serfa, etc., sur Twitter, ou même un peu ailleurs, qui donnent des infos à... Bien sûr, c'est que du fake. Bien sûr. Ils font exprès de mettre en avant des infos qui sont choquantes, ou des infos qui sont fausses ou infondées. Serfia, ouais, c'est le truc-là. Pour, en fait, du buzz. Parce qu'ils sont rémunérés de fou sur Twitter. Ils se font du blé sur des trucs horribles, genre ils inventent des trucs où ils donnent que des infos les plus horribles avec que des mauvaises nouvelles pour buzzer. Et ils se font du blé sur ça. Parce que j'ai pas fini de raser l'île, c'est parti. Un certificat qui circule en disant que c'est le certificat qui prouve qu'il est en haut, alors que c'est juste le certificat qui donne l'autorisation de gravier. De gravier. De gravier. De gravir. C'est une chiasse, excusez-moi du mot. Ah, vraiment, c'est terrible. Bon, pour eux, on saura pas. Tant pis, je vais m'arrêter là. On en aura eu quand même pas mal, hein, regardez, en vrai. On a eu quand même quelques quêtes. Ça avance, mine de rien. Si on fait... Là, j'ai fait une dizaine de quêtes. Là, j'ai fait 10 quêtes en quoi? En 1h... En 1h20, je crois qu'on a fait 1h30, peut-être, un truc comme ça. De gravir. Il y a pas de E à gravir, si? Tu me fais douter, Marvin. Tu me fais douter de mon français. Bref, ouais, du coup, on a bien avancé. En vrai, c'est cool. Je suis assez contente. Allez, je vous passe là. Gravir, ouais, c'est comme...